Bonsoir, camarades de peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués, soyez salués, soyez salués, soyez salués, soyez salués, Yoromagne, Yoromagne. Camarades, après le camarade Jay Cyril, leader de la société civile, leader, c'est la même qui pilote les préparatifs de la marche du 25 novembre 2022, le 25 novembre prochain. Après la convocation de Jay, c'est le ministre Charles Dosson-Rodel, ministre PPACI, qui est aujourd'hui convoqué par Dramane Ouattara demain. C'est le ministre Dosson-Rodel qui est convoqué par les bons chiens. Dramane Ouattara aussi a bon chien. Dramane, lui, il est bon chien de Macron, mais lui aussi, il a bon chien. Et donc, c'est le bon chien de Dramane Ouattara qui ont convoqué le ministre Dosson-Rodel, le ministre Charles, le ministre Charles. Vous le connaissez, le ministre Charles. Voici le ministre Charles Dosson-Rodel. Il est chargé de la société civile au niveau du PPACI. Le voici. Donc, un militant, pas le moindre, un cadre du PPACI est convoqué demain à la sûreté. À la sûreté, je pense, je vais bien lire les faux, pour ne pas dire n'importe quoi. Est convoqué demain par Dramane Ouattara. Frère, quand on parle, il faut écouter. Partagez au maximum la vidéo. Depuis vos positions respectives. Je vais vous montrer déjà le ministre. Avant de continuer, voici. Le ministre, on dit quoi? Charles Dosson-Rodel vient d'être convoqué par la direction générale de la police, le général Kouyaté. Le même Kouyaté, qui est convoqué, qui est cité au niveau de la CPI par Amnesty International. Le démon dont son petit frère s'est rendu coupable de meurtre à Abidjan, c'est lui aussi, c'est lui encore qui revient à la charge. En convoquant, je ne sais pourquoi le ministre de son Rodel demain. Mais tout ça, c'est pour éviter qu'on marche dans notre propre pays. C'est pour éviter que les Ivoiriens marchent dans leur propre pays. Frère, c'est pour nous empêcher de marcher, de nous manifester, de parler, de nous mouvoir, de nous exprimer dans notre propre pays. C'est pour nous empêcher ça. Mais est-ce qu'on va accepter, camarades? Chers frères et sœurs, est-ce qu'on va accepter ça? Non, il est évident que non. On ne peut jamais accepter ça. On ne peut jamais accepter ça. Et nous devons nous battre jusqu'à ce que la marche du 25 ait lieu. Et elle aura bel et bien lieu. Qu'il pleut, qu'il neige. Qu'il pleut, qu'il neige. Nous, on va marcher le 25. Tu veux pas, Dramane. Nous, on va marcher le 25. C'est ça qui est la réalité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Camarades, faites le maximum de partage. Mettez la vidéo dans tout le stockland, dans tout le clan Ayo, dans tout le soyi du coin. Ça, c'est entrer en matière d'abord. Alors, deuxième info. Nous restons mobilisés. Le ministre de son, il va les répondre demain, non? Tu as convoqué Jay Cyril. Tu as convoqué Jay Cyril, le camarade Jay Cyril. Mais j'ai parlé à lui. Tout va bien. Tout va bien. Mais en tout cas, nous, on va marcher. Hein. Camarade, le 25 là, soyez sûr et certain, on va marcher le 25. C'est sûr. Le délai d'abord a commencé, hein? Le délai d'abord a encore commencé. Le délai n'avait pas encore commencé. Oh, le délai d'abord a commencé, d'abord, chers camarades. Le délai d'abord a commencé. Alors, il me revient, tel rapidement, il est important de préciser. Quand on connaît hier, a dévoilé que Dramane Ouattara était tombé par deux reprises le vendredi passé. C'est-à-dire, il y a 7 jours de cela, Dramane Ouattara était tombé
Et une équipe médicale a été mise à la disposition pour essayer de le réanimer. Alors, il en était de convalescence avancée. Comme on a parlé et que c'est mélangé, ces militants s'inquiètent, alors il faut qu'il fasse une sortie. Donc, il a organisé une sortie aujourd'hui qui n'était même pas dans son agenda. Qui n'était même pas dans son agenda parce que tout était annulé. Il a forcé une sortie aujourd'hui et il est sorti, il allait au quoi là même, à la remise de prix de je ne sais quoi. Mais quand tu le regardes, tu sens que le gars, ça ne va pas. Ça ne va pas pourquoi? Ça ne va pas parce que, en réalité, le terrorisme est en train de frapper en Côte d'Ivoire. Bon, on a dit que le terrorisme, que l'attaque, le maître du chauffeur de taxi à Abidjan était une attaque terroriste. Les gens ont dit que Gbagbo ne dit pas la vérité. On va ici voir Jeune Afrique avant de rentrer dans le vif du sujet. On a même commencé le direct. Hein. Les informations là, ils sont en train de harmoniser et ils sont en train de vous prédisposer à écouter, à comprendre et à assimiler les choses. Parce qu'il faut décortiquer. Avec Gbagbo, on ne se presse pas. On va et puis on décortique. Camarade, on va ici voir Jeune Afrique. Que dit Jeune Afrique? Jeune Afrique, c'est un média officiel, vous savez. Voilà. Jeune Afrique. Regardez le logo, petit logo là. J-A. Ouais, J-A, Jeune Afrique. Qu'est-ce que Jeune Afrique dit? Côte d'Ivoire. La stratégie antiterroriste dans le Nord à l'heure des comptes. La stratégie antiterroriste dans le Nord à l'heure des comptes. Édition aujourd'hui. Ça a été publié aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit? En misant, en plus de la réponse militaire, réponse militaire contre qui? Contre le terrorisme. Sur des projets en faveur de la jeunesse. Il y a des projets en faveur de la jeunesse pour amener la jeunesse à se détourner de quoi? De ce qu'on appelle l'auto-recrutement dans le terrorisme. C'est-à-dire qu'on vient, on casse tout. On te prend tout. Et puis on te dit maintenant, il faut nous suivre. C'est ce qu'ils font dans le nord du Mali, au Burkina Faso, etc. Donc, Ouattara veut anticiper, aller donner de l'argent aux jeunes, essayer de mettre les jeunes dans les conditions telles à se détourner du terrorisme. C'est ce que Jeune Afrique dit ici. Le gouvernement espère endiguer la menace djihadiste. Le gouvernement Dramani espère endiguer la menace djihadiste. Le ministre Mamadou Touré s'apprête à se rendre sur le terrain pour évaluer l'avancée de cette initiative. Laquelle initiative? Aller voir les jeunes pour essayer de leur donner de l'argent pour qu'ils se détournent du terrorisme. Écoutez très bien. On va les Tchébé. Amenaceo. Quand je parle, les gens pensent que je parle dans le vide. Ça, c'est Jeune Afrique. Aujourd'hui, Jeune Afrique. Voici ça, Jeune Afrique. Vous voyez? Maintenant, camarades pédafricains, maintenant, on va venir ici écouter le ministre Wara Wara Draman. Il est important de l'écouter encore. Je rappelle que je n'ai aucun droit sur l'audio joué dans mon direct. Sur les audios joués dans mon direct. Je n'ai pas le droit sur les audios, sur la musique, etc. Donc ici, on va aller mollo. Écoutez ici. Voici le ministre Wara Wara là. Amadou Koumba. De cette fermeture, et puis quand est-ce qu'elles ouvriront, surtout quand on sait qu'il y a quand même de la circulation clandestine qui se passe. Merci bien. Attendez, hein. Je vais venir ici. Ici, ça sera plus mieux. La fermeture des frontières. Écoutez très bien, hein. Elle dit sa question concerne la fermeture des frontières. Écoutez, hein. Écoutez encore. La fermeture des frontières. Terme.
la fermeture des frontières des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Mais le Ghana, c'est pas fermé avec le Ghana. Hein? Notre frontière n'est pas fermée avec le Ghana, ni le Libéria. Les frontières sont fermées avec la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso. On continue. Aujourd'hui, des sources locales nous ont rapporté les informations. Les informations faisant état de déploiement des forces de France mélangées aux soldats ivoiriens. Là-bas, dans le nord, etc. Ah ben, à la main. Quelles sont les raisons de cette fermeture? Et puis quand est-ce qu'elles ouvriront? Surtout quand on sait qu'il y a quand même de la circulation clandestine qui se passe. Merci. Voilà. Elle dit, sa question concerne la fermeture des frontières. Écoutez, hein, cette vidéo-là, j'ai plus le temps de l'étudier. En fait, c'est les journalistes qui sont, on va dire, téléguidés. Des gens qui sont téléguidés, qui sont préparés. C'est des questions qui sont préparées. C'est des questions qui n'ont même pas de lien avec le Conseil des ministres. Et puis, il n'y a même pas une seule question concernant le Conseil des ministres. C'est passé crème. Parce que Ouattara a mis une ordonnance dedans qu'on va vous décortiquer. Hey! Tout le monde, pompe le cœur. Allez, pompe le cœur. On va écouter. Alors, ce n'était pas une question sur le conseil, mais bon, je l'apprends. Voilà. Ce n'est pas une question sur le conseil. Je prendrai la seconde question en même temps, puisqu'on n'a pas de question sur le conseil. Voilà. Vous avez compris, non? Il n'y a pas de question sur le conseil. Parce qu'on leur a dit, ne posez pas de questions sur le conseil. Parce qu'il y a un projet de loi dedans là. Beaucoup de gens vont vous expliquer ça. Ouattara, toi et moi là, je t'ai dit que le mariage est légal. Et puis, il n'y a pas de divorce. Même si tu veux divorce, je ne divorce pas. Le divorce sera pas concédé. Où Gbagbo va, je vais. Toi et moi, on est collés serrés. Écoutons la deuxième question. Bonjour, monsieur le ministre. Deux questions, Pierre Donadieu de l'AFP. Deux questions. L'AFP, médias français. Deux questions, écoutez. Première, il y a un mois, le président de la République parlait au sujet des 46 soldats détenus au Mali, que les choses évoluaient bien et qu'on pouvait espérer bientôt un heureux aboutissement. Un mois plus tard, on se demande où on en est aujourd'hui sur cette question. Des soldats. Et ma deuxième question, dans 10 jours... Première question, le président a dit, il y a quelques mois, que les soldats doivent être libérés sans délai. Maintenant, depuis là, on ne comprend pas sans délai, c'est comment. Mais sans lien avec la première question qui concerne la fermeture des frontières. Donc, ils se disent que la menace peut venir de là-bas. On continue. Déclaré vouloir jouer un plus grand rôle dans la médiation des conflits, notamment au Sahel, au Burkina, etc., dans la région en tout cas. Est-ce que c'est une initiative bienvenue pour vous que la francophonie s'investisse plus dans les affaires politiques et sécuritaires d'Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup. L'OIF, c'est l'organisation internationale de la francophonie. Donc la francophonie a dit la dernière fois, Bitogo est venu en France ici, invité par cette organisation-là, pour venir demander à la francophonie de s'intégrer, de s'intéresser à la médiation ivoiro-malienne par rapport aux carences mercenaires de Draman. Mais écoutons le ministre de Draman, Amadou Koumba. Merci pour ces questions. En ce qui concerne la fermeture des frontières, je voudrais dire que la question de la... En ce qui concerne la fermeture des frontières,
terrestre de la Côte d'Ivoire. À la main. Gestion des frontières relève du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Sécurité. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a des textes communautaires, notamment au niveau de la CEDEAO, mm-hmm. qui demandent donc la libre circulation des biens et des personnes. Mais ces textes n'empêchent pas un pays, pour des raisons de sécurité, donc de pouvoir prendre des dispositions ponctuelles, mm-hmm. en vue donc de juguler certains problèmes. Et cette fermeture... Juguler certains problèmes. Et de la CEDEAO dit, les pays de la CEDEAO doivent autoriser la libre circulation des biens et des matériels, et des biens et des personnes. Mais dans ce cas précis, les textes n'empêchent pas des fermetures ponctuelles. Des fermetures, quand c'est nécessaire, on ferme à un moment donné, après on ouvre. C'est ça que donc aujourd'hui, le ministère de la Défense, Tere Brahma Ouattara, le petit drogué. Tere Brahma, il est mal fond d'alcool. C'est un soulard. On l'a vu ici sur les Champs-Élysées. Il est en train de saigner. Tere Brahma Ouattara. S'il dit c'est faux là, je vais aller chez la personne et puis la personne va venir dire, je te connais et puis va dire tout ici. Tere Brahma, on l'a vu sur les Champs-Élysées. Il est en train de saigner. En été. À ce moment, il a acheté la voiture de 800 millions de francs CFA. Quand Draman a pris le pouvoir net là. Tout est documenté. Vous pouvez aller taper. Il a acheté une voiture de 800 millions. Tere Brahma Ouattara. Soula, dominant dingue. Peut-être direct là-bas, Marseille. Donc, il dit, on peut fermer la frontière pour juguler. C'est un problème. Juguler, quel problème? Juguler, effectivement, le terrorisme. Le terrorisme. Juguler le terrorisme. Alors que nous savons, vous et moi, je suis ici là, où je suis là. Voici le commissariat de police de France. À 3 mètres de moi, voici le commissariat de police. Si je mens là, ils vont venir m'attraper. Si je diffame là, ils vont venir m'attraper. Mais je n'ai pas peur. Parce que là, je dis la vérité. Et je me passe sur les faits. Frère, les États-Unis ont sonné une entreprise française qu'on appelle la Fage pour financement de terrorisme. Ce n'est caché à personne. Tout le monde sait ça. Financement de terrorisme. Le Mali a porté plainte contre la France aux Nations Unies pour financement de terrorisme. Pourquoi encore? Pour renseignement au terrorisme, pour former terroristes. Nous avons des anciens gars de la MINUSMA qui étaient sous les ordres de Tiendere, de Blaise Compaoré, qui ont dit que c'est eux qui s'occupaient. Oh, Laurence Pokine Meyer, merci pour les étoiles. C'est eux qui s'occupaient du mouvement des allers et retours des terroristes. C'est eux qui prennent les terroristes d'un point A à un point B. Ils les prennent d'un point B à un point A. Pour le compte de la France. Donc, étant donné que c'est la France et les États-Unis, nous savons, les États-Unis là, Al-Qaïda là, c'est les gars des États-Unis. Les États-Unis dealaient avec Al-Qaïda, où ça? Frère, en Afghanistan, c'est documenté, c'est su, c'est connu. Vous comprenez? Les États-Unis, le plus grand exportateur de pavots, d'héroïne, le plus grand pays exportateur d'héroïne dans le monde, c'est qui? C'est l'Afghanistan. Vous pouvez taper sur Internet. Il n'a pas dit cocaïne, il dit pavot, héroïne. Les États-Unis géraient ça. Avec qui? Avec Al-Qaïda. Donc, c'est les États-Unis qui sont avec Al-Qaïda. La France, à travers des entreprises, soutient Daesh. Oui! Donc, c'est les deux pays-là qui sont les faiseurs de terrorisme. Mais comment ça se fait aujourd'hui? Les terroristes, un groupe terroriste, s'acharne sur Draman. Jusqu'à Draman envoie son ministre pour aller donner de l'argent aux enfants, aux jeunes
sur ce type de effets enrôlés par le terrorisme afin de calmer le terrorisme dans le nord de la Côte d'Ivoire. Moulebé, Draba, tu n'es plus ami avec la France? Si, tu es ami avec la France. Mais les terroristes qui se lèvent aujourd'hui contre Dramane Ouattara, ce n'est pas des terroristes qui relèvent de la France, mais des terroristes qui relèvent des États-Unis, qui veulent le faire tomber. C'est pareil au niveau de Menaka, je vous l'ai dit. Il y a deux groupes terroristes qui s'allument, le JNIM et l'EJS. Le JNIM affilié à Al-Qaïda et l'EJS affilié à Daesh. Frère, la France, Daesh, les États-Unis, Al-Qaïda, ils se sont frappés. Les États-Unis ont frappé la France là-bas. Donc aujourd'hui, c'est ce même groupe de JNIM qui dit, voici l'idéologie du JNIM. L'idéologie du JNIM, c'est quoi? Établir le califat islamique sur toute l'étendue du territoire. Voici leur idéologie. Donc, eux là, ils veulent aller en Côte d'Ivoire, comme ils n'arrivent plus à contrôler le Mali, ils n'arrivent plus à gérer le Mali, ils n'arrivent plus à s'imposer au Mali, il faut déporter maintenant le terrorisme dans d'autres pays. C'est ainsi que le Togo a été frappé, le Bénin a été chicoté, et le Ghana a été frappé, la Côte d'Ivoire est chicotée aujourd'hui. Frère, la Côte d'Ivoire est beauté. Même les médias locaux ont peur de parler. Seul Bakoné dit la vérité. C'est ici que ça se passe, camarades pays d'Afrique. Alors, partagez la vidéo, abonnez-vous à la page sur le manque Bakoné. C'est là que ça se passe. Donnez-nous des étoiles. Donnez-nous des étoiles, s'il vous plaît, car le combat, il est rude. Il est rude, le combat. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Mais avant de continuer. Savoir a été consécutive donc à des décisions, je dirais, similaires qui ont été prises de l'autre côté donc de ces frontières, notamment quand il y a eu donc des régimes d'exception. La Côte d'Ivoire est attentive et dès que la situation le permettra, nous n'avons aucun doute que le ministère donc de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est chargé de la gestion des frontières, prendra toutes les dispositions nécessaires. D'accord. En ce qui concerne la situation de nos soldats, écoutez, nous avons dit à plusieurs reprises ici que la Côte d'Ivoire a choisi la voie du dialogue, la voie de la concertation, la voie de la négociation. D'accord. Et au cours des comptes rendus du Conseil des ministres, nous avons même appelé donc nos concitoyens à la patience, et notamment les familles des victimes, à la patience et à avoir confiance au chef de l'État. Les familles des soldats ivoiriens, les quelques soldats ivoiriens qui sont dedans, ne peuvent pas avoir confiance à un menteur, un démagogue, un manipulateur. C'est-à-dire qu'un manipulateur, mais un dribbleur. Les familles ne peuvent pas avoir confiance à Dramane. Dramane n'est pas digne de confiance. Il a dit sans délai aujourd'hui, il a donné 3 mois, 4 mois. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, je l'ai dit depuis juillet. Le Mali a demandé à Dramane, écoutez très bien, vous qui avez vos familles là-bas, là, vous qui avez vos frères au Mali, là, le Mali a demandé à Dramane, il faut reconnaître que tu envoies les gens pour venir déstabiliser le Mali. Ça, ils ont dit ça. Il faut reconnaître Mondio Vision. Il a dit, il veut pas. Il a dit non, c'est des incompréhensions administratives. Voilà. Mais on n'a pas dit ça. On dit, il faut reconnaître que toi, là, tu as envoyé les gens pour être tu as assimilé. C'est ça. Donc, quand ils ont dit ça, il dit, il veut pas. On dit, bon, quand tu veux pas, le ministre des Affaires étrangères du Togo, il allait faire 3 jours sur Assimi Goïta. 3 jours au Mali. C'est aujourd'hui qu'il est rentré au Togo. En catimini. En catimini. Vous comprenez? Et donc, Assimi a dit, ce que je te dis là, moi, je ne veux pas parler. Dramane Ouattara, il n'a qu'à venir ici. Voici le document que je lui envoie. Voici le document. Va lui donner. Il n'a qu'à reconnaître que le Dramane Ouattara, il a effectivement eu l'intention avec
46 mercenaires dont des personnes attendaient, des mercenaires attendaient déjà sur le terrain, des djihadistes qui avaient infiltré Bamako attendaient sur le terrain. Vous avez vu le jour où ils ont attaqué Kati là. Donc ils attendaient. Ceux qui attaquaient Kati attendaient. Donc quand ceux qui attaquaient Kati allaient lancer l'assaut sur Kati, automatiquement les 46 mercenaires, les 49 mercenaires postés à l'aéroport, automatiquement allaient commencer à chicoter et puis récupérer l'aéroport automatiquement. Et l'aéroport étant récupéré, les renforts allaient descendre. Tout azimut. Et ces renforts venaient d'où? Ces renforts venaient de Bassam. Vous comprenez? Ces renforts venaient de Bassam. Et donc, grâce à Dieu et à la vigilance des éléments du général Koné, du général Modibo Koné, le général Koné, le général de la police Koné, mon cousin, grâce à sa vigilance, ils ont intercepté les 49 mercenaires, lourdement armés avec des DCA, des armes de guerre, des RPG 9, des 12-7, des AK-47, des carabines russes, des carabines anglaises, des carabines yougoslaves, des carabines tchétchènes. Frère, tout ça était stocké. C'est des carabines qui peuvent copier. C'est-à-dire que tu peux programmer et puis tu mets ça ici, tu mets ça là. Tu attaches et puis tu mets le chapelet comme ça. Tu n'es pas là. Hein. Il suffit juste de tirer, de déclencher la corde. Et puis juste, comment on appelle, la gâchette appuyée net, il commence à faire feu. C'est-à-dire que quand tu es là-bas, hein, mais lui fait feu. Pendant que l'ennemi tire dans sa direction, toi tu passes et puis tu dois faire mal. Donc, voilà ce qui est programmé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Grâce à Dieu, Assimi arrive à récupérer les gens. Et sur le passeport, maçon, vendeuse, couturier, ils allaient même blogueur. Ils allaient même bon connaître. Mais moi, je ne vais pas là-bas. Moi, je ne suis pas dans ça. Parce que même si vous avez mis mon nom là-bas, Assimi va dire, ah, le petit là, il ne peut pas faire ça. Donc, Assimi les a séries. Et quand on leur pose des questions, et qu'ils s'expriment, on sent que en réalité, ce n'est pas des Ivoiriens. Français de Côte d'Ivoire là. Français de Côte d'Ivoire là. Il faut rester ta bouche mille fois. Quand Ivoirien parle là, on va savoir que c'est Ivoirien. Donc, Assimi, il connaît Ivoirien. Ceux qui sont là, les chogans, ils connaissent Ivoirien. Donc, non seulement ce n'est pas français Ivoirien, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parler français. Qui sont des Libériens, des Sierra Leonais. Vous avez vu le président Sierra Leonais parti seul voir Assimi. Il sait que ces gars étaient là-bas. Donc, Assimi dit, Draman, l'intention était nette de venir me tuer. Mais si tu veux me tuer et que tu m'as raté, moi, ce que je dois faire, c'est de riposter. Mais je ne veux pas le faire. Compte tenu du bon voisinage, je ne veux pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut reconnaître sur écrit que je reconnais avoir tenté de déstabiliser le Mali. Et Assimi a donné toute la garantie au corps diplomatique béninois, ivoirien, même les gars, la mission qui avait été dirigée par Antonio Guterres lui-même. Il y a une mission dirigée par Mamadou Issoufou du Niger, que Mamadou Issoufou a conduit, qui est parti voir Draman d'abord avant d'aller voir le Mali. Avant d'aller voir Assimi Goïta, devant tout ce corps diplomatique, devant Antonio Guterres, devant tout le monde, Assimi a dit, je prends l'engagement de ne pas laisser fuiter ce document. Assimi a dit ça. Donc quand Assimi a dit ça, mais Draman, si tu veux la libération totale de tes gars, mais écris, Assimi a déjà dit, il prend la garantie de ne pas donner la presse. Même nous, Assimi, il ne peut pas nous donner ça. Parce que Assimi, c'est un homme d'honneur, c'est un homme digne. Quand il donne sa parole, il se tient à sa parole. Il a dit qu'il ne bougera pas tant qu'un centimètre du territoire malien sera encore occupé par quelque force que ce soit. Il a dit un tiers parole. Il a dit qu'il va renoncer à un tiers de son budget de souveraineté. Et il va dédier ça aux actions
humanitaire. Et aujourd'hui, en son actif, il a plus de 200 forages à raison de 2 millions de francs CFA. 200 forages multipliés par 2, ça fait 400 millions de francs CFA qu'Assimi Gota a déboursé pour les forages des hommes, des personnes. Et sans compter les actes humanitaires qu'il fait ici et là. Frère! Donc, Assimi, c'est un homme de parole. Alors, Dalang Ouattara devait juste signer pour dire j'accepte, je le connais, etc. etc. Et puis Assimi allait libérer et puis il garde les papiers là. Vous comprenez? Là, prochainement, si Draman est récidive, alors Assimi Gota fait sortir le document. C'est un document qui va le couvrir. Qui va le couvrir. Et donc, quand il va sortir ce document-là, automatiquement, prochainement, on va dire vraiment, vrai, déjà, c'était Draman, vraiment. Et c'est Draman, il a récidivisé. Là, maintenant, Assimi, maintenant, il peut agir. Même tous les diplomates du monde viennent, mais il peut agir. Vous avez compris? C'est ça que Assimi Gota a demandé. Mais les parents des mercenaires qui sont au Mali, Draman a refusé ça. Hein? Il a refusé ça. Donc, aujourd'hui, là, levez-vous. Levez-vous. Allez demander à Draman de faire venir vos enfants parce qu'il refuse de faire venir vos enfants. Alors, frappé par le terrorisme, menacé par le terrorisme, parce que en réalité, les terroristes là, ils ont un quota qu'ils demandent aux gens chaque année. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom de ce quota. C'est comme un impôt. C'est comme des impôts que tu payes à l'islam pour ne pas être attaqué. C'est dans leur règlement de djihad. Si quelqu'un connaît le nom de cet impôt-là, qui me l'écrive, je suis sur Bawo Kone. Sur ma page, seulement Bawo Kone, c'est ici que je regarde. Frère! Alors, Draman Ouattara, il n'arrive plus à payer le quota. Parce que le quota, il augmente chaque année. Chaque année, chaque mois. Ils augmentent le quota. C'est ça Blaise Compaoré payait. Ce quota-là, c'est ça que Blaise Compaoré payait. Et il était à l'abri du terrorisme. Quand Damiba est venu là, ils ont demandé le quota à Damiba. 1 milliard 200 millions par mois et par an. Frère, il a refusé. Damiba a refusé. Et voilà ça. Et voilà ça. Et voilà ça. Donc, c'est ce qu'ils ont demandé à Draman. Non, c'est pas la zakat, frère. C'est pas la zakat. C'est pas la zakat. Il y a un point encore que les gens doivent payer aux musulmans pour ne pas être attaqués. La zakat, c'est obligé. Mais c'est pas la zakat. Ben, la zakat, c'est toi-même qui donne ça. Mais il y a un impôt qu'on paye particulier pour ça. Je vais chez le nom après, je vais vous dire ça. Donc, ce que Draman Ouattara doit payer. Et donc, il payait. Il les mettait à l'aise. Aujourd'hui, il n'arrive plus à payer. Vous comprenez? Il n'arrive plus à payer. Alors, comme il n'arrive plus à payer, qu'est-ce qui se passe? La France est malmenée au Mali. Le Niger veut plus de lui. Les Nigériens manifestent. Maintenant, le pays qu'il embrasse, les Waworo cyberactivistes des pays qui l'applaudissent, c'est le RDR de Draman. Alors, la France veut reprendre position aisément. Où ça? En Côte d'Ivoire. Donc, au lieu de venir, soutenir financièrement Draman afin qu'il puisse s'acquitter de ce droit-là. Il ne faut pas ça. Hein. Ils disent Draman n'a qu'à leur permettre de rentrer en Côte d'Ivoire afin qu'il puisse combattre ce terrorisme-là. Parce que ce n'est pas des terroristes qui relèvent de la France
Ce n'est pas Daesh. Au conseiller, sois salué. Ce n'est pas Daesh. C'est Al-Qaïda qui lève des États-Unis. Alors, ils viennent pour tenter de juguler, tenter de combattre ce terrorisme-là. Vous comprenez? Alors, donc, comme ils viennent, aujourd'hui, ils sont postés ils ont occupé tout le nord de la Côte d'Ivoire, toute la frontière nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce Jizya là. Non, je vais chercher les gars. Je vais chercher tout à l'heure. Et puis je vais vous envoyer ça. Tout le nord de la Côte d'Ivoire. Non seulement les frontières. Toutes les frontières terrestres. Sauf le Ghana. Ont été fermées. Toutes les frontières terrestres de la Côte d'Ivoire ont été fermées. Je vous ai fait écouter tout sur le ministre. Ce n'est pas un débat. C'est une réalité. Ont été fermées. Aujourd'hui. Les Français sont allés se poster. Aux frontières de la Côte d'Ivoire, au nord. On les a vus à San Pedro. Aujourd'hui, où je vous parle, San Pedro. Vous comprenez? À San Pedro, on les a vus là-bas. Donc, ils vont se poster vers le Libéria. Libéria, Guinée. Les Français, avec qui? Avec, accompagnés des soldats ivoiriens. Nord de la Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Burkina. Kwame, merci pour les étoiles. Mali, Burkina. Ils ont fermé là-bas. Ils vont fermer avec la Guinée-Conakry. Il a déjà fermé. Le Libéria, il a déjà fermé. Le Ghana, ça passe. Molo, molo. Mais, malgré ça, les réfugiés burkinabés rentre à pied en Côte d'Ivoire, à Bouna. Et parmi ces réfugiés-là, les djihadistes profitent pour rentrer. Damus, merci pour les étoiles. Les terreaux profitent pour rentrer avec les gens-là. Ce sont eux qui brûlent les véhicules des gens. Ce sont eux qui cambriolent les stations. Ce sont eux qui dépossèdent les cultivateurs de leur récolte à Bouna, dans les derniers Douablin. Dans les derniers Douablin, cette région-là, frontalière avec le Burkina Faso, la Comoé. Frère, quand on dit ça, les gens veulent discuter. Mais la vérité est là. Et donc, ils sont postés. Soutenus par qui? Par les Allemands et des forces européennes. Mais aujourd'hui, c'est gâté. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est susceptible d'être attaquée à l'intérieur. À l'intérieur même d'Abidjan. Ils sont déjà à Abidjan. Draman, ils sont déjà à Abidjan. Toi, tu les cherches dehors. Mais ils sont déjà là. C'est maintenant que tu vas faire une frontière. Mais ils sont déjà là. Mais pendant le temps, Draman Ouattara, il est en train de fouiller dans la poche des Ivoiriens. Parce que les financements ne viennent plus trop. Un homme qui est habitué à prendre l'argent de son père pour manger, pour aller chercher femme. Si son papa a coupé le tuyau sur lui, mais il fait comment? Il a oublié d'aller voler. Vous comprenez? Il a oublié d'aller voler. Et donc, Draman est devenu un voleur. Il vole dans les poches des Ivoiriens comme ça. Il nous vole. La CNUC, la CMU, sachant que, Damus, merci encore, la CMU, sachant que elle ne fonctionne pas, Draman Ouattara vient rendre ça obligatoire sur les Ivoiriens. Malgré que la CMU ne marche pas,
Draman Ouattara vient rendre la semi obligatoire sur les Ivoiriens. Ça rapporte à Draman Ouattara plus de 30 milliards de francs CFA par mois pour payer les terroristes. 30 milliards de francs CFA par mois pour payer les terroristes. Il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voler. Il a mis un projet de loi aujourd'hui. Hier, il a pris cette ordonnance. Hier. C'est pourquoi dans le porte-parole n'a pas voulu que des questions soient posées sur le conseil des ministres parce qu'il y a l'ordonnance là-dedans. L'ordonnance porte sur quoi? Sur l'augmentation des produits, des matériels de construction. Jizya, est-ce que c'est Jizya là? En tout cas, c'est ça, hein, Mamadou. Mais je vais chercher, je vais vous envoyer. Vous comprenez? Vous comprenez? Il allait augmenter une taxe sur les matériaux de construction. Ciment, il a augmenté. Frère, il a augmenté. Tol, il a augmenté. Peinture, il a augmenté. Même paille que nos parents vont prendre au champ pour venir mettre sur les cases là. Paille là, Draman Ouattara a mis tasse dessus. Ah, Draman. Tu es comment? Donc, c'est ça, il allait faire. Taxe. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue. Et donc, comme c'est nul là, 1000 francs là, les gens ont boycotté. Vous avez vu le pont APA de Bassam. Les Ivoiriens ont boycotté. Ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, on est à 54%. Notre dette fait 54% du PIB. La dette fait 54% du PIB. C'est-à-dire que la dette qu'on a là dépasse l'argent qu'on gagne par. C'est-à-dire que si la dette, si on gagne par mois, si la Côte d'Ivoire rentabilise 100 000 francs, la dette là qu'on prend là, ça fait plus que, c'est plus que, et ça fait 104 000 francs. Donc il y a 4% de différence entre ce qu'on doit et ce qu'on gagne. Donc ça fait que la Côte d'Ivoire n'arrive plus à s'acquitter de la dette convenablement. Ce qui met en danger l'économie de Côte d'Ivoire. Ce qui met en danger nos biens à travers le monde entier. Vous avez vu le petit là, Diawara, un petit Diawara. Il a fait saisir un avion de Air Ivoire. Un avion de Air Ivoire, de la Côte d'Ivoire. Parce que quoi? Parce que l'État de la Côte d'Ivoire lui devait. Si on n'arrive pas à payer, il ne serait-ce qu'un mois aux créanciers de la Côte d'Ivoire, eux aussi là, ils vont commencer à saisir. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi Gbagbo a dit, ordonnance qui a pris là, ça va passer. Ciment là, un franc, ça ne monte pas dessus. Baba, le ciment t'a pris. L'argent t'a mis sur le ciment là. Il n'y a personne qui a payé dessus aujourd'hui. L'argent que t'as mis sur le tol là. Aucun Ivoirien va payer un franc dessus. T'es garçon, il faut essayer. Baba dit à Draman, si t'es garçon là, il faut essayer d'augmenter ta voix. Frère, Draman tremble dans sa chair. Il tape, il Trump, il est mélangé. Alors, Gbagbo dit, cette ordonnance ne passera pas. C'est moi qui t'ai dit ça. Et donc, Draman Ouattara, il veut faire le beau gosse. Mais, je vous dis une autre chose. Pour conforter ce que je suis en train de vous dire. Draman Ouattara avait dit que le PPACI
n'allait pas rentrer dans la CEI centrale. J'ai posté aujourd'hui sur ma page, il y a une grande victoire de Gbagbo sur Ouattara. Je vais vous expliquer, camarades. Attachez vos ceintures, posez-vous convenablement, confortablement. Partagez le direct. Allez, partagez. N'ayez pas peur. Fouettez. Dramandé, Gbagbo ne rentre pas dans la CEI centrale. Que parce que Gbagbo a un casier judiciaire de je ne sais où. Et donc Gbagbo ne veut pas diriger un parti. Alors que tu as déjà donné le récipient du parti pour légaliser vis-à-vis de l'État le parti, le PPACI. Maintenant, il vit un petit combine pour ne pas que Gbagbo rentre dans le PPACI rentre dans la CEI centrale. Gbagbo dit, ce que tu es en train de dire là, ça ne sort pas de ta bouche. C'est ça que les gens disent. Ça là, c'est pas le son de ta bouche. C'est le son d'autre part. Sinon, c'est pas le son. Ce son là, c'est pas ta bouche. Mais tu sais d'où ça vient. Putain, mets-moi dedans très rapidement. Mets le PPAC très rapidement. Il est très rapidement. Mets le PPAC dedans tout de suite. Il veut faire le malin. Gbagbo dit, oh, les catinants, les picasses. Il dit, le vieux, le gars est la foutaise. Enfin comment? Il faut nous dire, nous, on va mobiliser les gens. On va sortir dans Abidjan. Gbagbo dit, je vous ai dit de vous calmer. Je vous ai dit de vous calmer. Ma puissance diplomatique, je ne l'ai même pas encore déployée. Même 10% dedans. Il dit, moi, Gbagbo, ma puissance diplomatique, ma force de frappe, je n'ai même pas encore utilisé 10% dedans. Attendez, voir. Frère, Gbagbo a appelé Biden, Papi Joe. Il faut dire au gars là, il n'a qu'à faire. Si tu n'es pas que l'affaire là, c'est ce mélange là. Entre toi et moi là, il faut. Si tu n'es pas que je parle, il faut dire le gars là, il n'a qu'à arranger l'affaire. Et on parle à Dramon. Il joue les durs. Il joue les durs. On a pris projet de loi. C'est passé au gouvernement. Quand un projet passe au gouvernement, et que le conseil des ministres statue dessus, c'est un projet de loi. C'est comme si c'est une idée. Toi, tu as une idée. Et tu soumets au gouvernement. Le gouvernement étudie. Est-ce que ça peut passer à l'Assemblée? Ok, le gouvernement acte. Donc quand ça arrive à l'Assemblée, ça devient un projet de loi. Le gouvernement a acté. Ça arrive. À l'Assemblée nationale, c'est devenu un projet de loi pour que le PPAC puisse rentrer dedans. Ça devient un projet de loi. Et Bitongo, avec son gros bocho, retire ça. Retire ça des projets de loi. Des projets de loi qui devaient être votés. Bagwadi, Katina est fâché. Bagwadi, calmez-vous. À ce moment, mon grand frère Bilo, mais il regarde comme ça, ses yeux sont rouges. Il est fâché. Gbagbo dit, calmez-vous. Viens l'appeler. Où je vous parle. Où je suis en train de vous parler là. Cette semaine-là, le projet de loi a été voté. C'est-à-dire qu'ils avaient annulé, ils avaient retiré, non? Bitongo a rip, il allait chercher le projet. Il est venu, il a remis dedans. Quand il a remis là, il dit, bon, on va voter le projet de loi. Le PPACI, c'est nous, ça concerne là. Pour que nous, on puisse rentrer dans la CEI. Gbagbo dit à ces gars, ne votez pas. Écoutez, regardez ce qui s'est passé. Gbagbo dit à nos 18 députés, ne votez pas pour ce projet de loi. Normalement, c'est nous, on doit être contents. On doit voter pour rentrer dedans. Ou bien, nous, on dit, on ne vote pas. Et Bitongo a demandé à ses députés, pardonnez, voter projet de Gbagbo là, on va passer. Et le PDCI, Gbagbo a demandé au PDCI, voter contre. Pour que les affaires se compliquent, Draman. Il dit voter contre ça là. Et le PDCI a voté contre. Oui. Et le PPACI a voté abstention. Le PPACI s'est abstenu. Ils n'ont pas voté. Nous, on n'a pas voté.
Le PDG a voté contre. Mais le PPACI, le RADP a mobilisé ses députés jusqu'à ce que le projet de loi ait passé. Aujourd'hui. C'est ça, Gbagbo. C'est ça qu'on appelle le Woody de maman. C'est ça le digne fils de Koudou Zébé Paul et de Gadon Marguerite. Au parcours de Laurent Gbagbo. C'est lui qu'on appelle le 10 des 10. Vous comprenez? Woody. Il ne vote pas ça. Et ça passe. Et donc, le projet de loi est passé à l'aise. Et on est rentré dedans. On est rentré dedans maintenant. On dit bon, on est rentré. Hein, mais on n'est pas content. Drama dit, tu veux quoi? On dit, on veut un poste de vice-présidence. Un poste de vice-président. Il gratte sa tête. Il voulait commencer les travaux de révision de la liste électorale pour que ces ouais, là, les noms fictifs qu'il avait insérés dans la liste électorale la passent. Bah, dit, arrête-moi ça. Il dit, arrête-moi ça. Et il a arrêté le processus. C'est maintenant que le processus va commencer. Maintenant, Gbagbo et Bédié ont relevé un certain nombre d'irrégularités dedans. Vous ne savez pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les Tanzaniens sont venus voir Bédié. Les Tanzaniens sont venus voir Bédié. Ouattara est là. Hein? Les gens sont dépendants de leur pays. C'est Bédié sont venus voir. Je vais vous montrer ça. Et donc, Bédié dit, petit frère, ton affaire qui est là, toi tu es dedans, moi je suis dedans. Tu es vice-président, je suis vice-président, sinon on ne veut pas. Et donc, Gbagbo dit, il faut que soit on crée un autre siège de vice-présidence, cinquième vice-président au sein de la CEI centrale, pour que nous on y soit, ou la quatrième vice-présidence là, il faut que ce soit nous. Il dit quoi? Il dit non, je n'ai rien dit. Il dit ah bon, d'accord, j'ai compris. Que ça saute. Donc, le PPACI, présidé par le dieu des dieux, l'homme le plus influent de l'Afrique, Koudou Laurent Gbagbo, il dit, vous, militants et militants du PPACI, partisans et sympathisantes, jeunes majors comme anciens, déferlez vers les bureaux d'enrôlement pour aller réviser votre nom sur la liste électorale. Déferlez, allez vous enrôler, parce qu'il faut que Gbagbo soit installé. Il faut que Gbagbo soit président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Et ça doit se réaliser. Et ça va se réaliser. Dieu a déjà scellé ça depuis là-haut. Dans le monde spirituel, Gbagbo est assis sur son trône. Ça reste la matérialisation de l'affaire sur le terrain. Et c'est ça qui va se faire bientôt. Frère, voilà étaler la faiblesse de Dramane Ouattara dans tous les sens. Il a acculé. Vous comprenez? Il a acculé. Et donc, aujourd'hui, les gens ont faim. Les gens ont faim. On est passé de 21 000 milliards de dettes à 23 000 milliards de dettes. 2 000 milliards sont rajoutés encore. Gbagbo lui dit, toi, tu es un voleur. Tu as fait des audits. Dans ces audits-là, il y a des gens qui ont volé des milliards de notre pays. Les résultats des audits qui restent ne sont pas encore rendus publics. Tu tombes et tu as dit que les gens ont volé. Ce n'est pas toi qui ont volé. Toi, tu es venu hier. Tu es venu hier de Sindou. Tu as pris Badian qui était à Ouagadougou en passant par Bobo Dioulasso. Korogo, Boaké, Abidjan. Tes cheveux étaient rouges comme ça.
André Magouya, tête rouge, et tu es arrivé à Abidjan. Ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Alors, l'argent de la Côte d'Ivoire, là, c'est ça les gens voulaient. Il faut nous ramener notre argent. Il faut leur dire de nous renvoyer notre argent. Le Côte d'Ivoire, là, Lassine Diaby, le Côte d'Ivoire, là, il a volé 100 milliards de notre argent. Hein? 100 milliards de la Côte d'Ivoire. Il va où est ça? Et donc, papa dit, il n'a qu'à nous ramener notre argent. Au lieu d'aller tomber, au lieu d'aller voler les petits consommateurs qui, si ça mangeait, ils n'arrivent même pas à manger. Les gens ont faim. C'est là que tu vas emmerder. Papa dit, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Sinon, tu vas me connaître. Frère, et donc, Gbagbo a mis pression. Bédier a mis pression. Et aujourd'hui, le Dramanistanais, il tremble de partout. Dans cette même foulée, la société civile organise une grande marche gigantesque sur toute la Côte d'Ivoire. La mobilisation a atteint un niveau inimaginable. La Côte d'Ivoire est attendue à Abidjan seulement au moins 1 million de personnes dans la rue. Abidjan seulement. Au moins 1 million de personnes sont attendues à Abidjan. Frère, sont attendues à Abidjan le 25 dans les rues. 1 million de personnes. Mais Draman, il est en transe. Il est en transe. Il a convaincu Djéhi, porte-parole. Mais Djéhi n'est pas le président de l'Urgence Côte d'Ivoire. Djéhi n'est pas président. Il faut convoquer le président. Djéhi est un envoyé. Et il va convoquer le ministre Charles Dossou. Mais Charles Dossou, là, lui n'est pas de la société civile. Il soutient les actions de la société civile. Il soutient la société civile. Parce que dans le parti, il est chargé de faire quoi? Il est chargé des relations avec la société civile. C'est ça son rôle. Et tu vas le convoquer. Tu fais quoi? Tu le mets en prison. Tu mets Dossou en prison. Dossou là, c'est le poumon de Gbagbo. Charles Dossou que vous voyez là, c'est le poumon de Gbagbo. On a tenté de le corrompre. Les gens sont courus derrière lui. Les gens ont couru derrière lui avec des valises d'argent. Laisse Gbagbo, on va donner une valise. Laisse Gbagbo, on va donner ça. Laisse Gbagbo, on va donner. Mais Charles Dossou, frère, il dit, moi là, j'attends Gbagbo. À ce moment, il n'y avait même pas lieu d'espoir. Il dit, moi, j'attends Gbagbo. Et il m'a dit, il va venir, il va revenir. Je l'attends. On dit, voici l'argent. Gbagbo a été empoisonné. Gbagbo a été maltraité. Son père fait mal. Il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Oh, des gens sont là créer leur parti là. Dossou dit, moi là, j'attends Gbagbo. Et quand Dossou, il s'assoit, il prie matin, il prie à midi, il prie le soir. Il prie, lève les mains, il pleure en prière pour que Gbagbo revienne. Et Gbagbo est là. Toi, tu es venu prendre le petit de Gbagbo pour le mettre en prison. Ah, Draman, toi-même, je ne sais même pas. André, tu ne sais pas là. Si tu as touché Dossou là, si tu as mis Dossou en prison là. Mais Gbagbo met cela dans la rue. Gbagbo dit, lui, on peut, lui là, on peut le prendre pour faire tout ce qui passe. Lui l'a habitué à la prison, il l'a habitué au truc. Mais ses enfants. Toucher à ses enfants, ça, tu veux le tuer. Vous vous rappelez quand il est parti dans le village de Blé Goudé, il a réuni les parents de Blé Goudé. Il a dit ce jour, on m'a arrêté, on m'a mis en prison. Un jour, ils sont venus me dire qu'on a envoyé un Ivoirien. Et là, j'ai dit, c'est qui? Et donc, on dit, c'est Charles. Il dit, il a son cœur saigné, il a pleuré dans son cœur.
quand il a vu que Charles Blé Boudé avait été envoyé en prison à cause de lui. C'est que pour lui là, il a oublié. Mais c'est pour Charles Blé Boudé là qu'il a fait saigner le cœur. Qu'il lui a fait saigner le cœur. Et donc, aujourd'hui, Charles Blé Boudé est parti. Ces enfants qui sont restés élus, ça, c'est eux qui vont attraper. Draman. Mais, donc on va sortir dans la rue lui-même. Il est devant le derrière. Et puis on va te chercher où tu es là. Et si Gbagbo sort, Bédier sort. Si Bédier sort aussi, Simon Gbagbo est allé demander alliance avec Bédier. Bédier dit, ils vont accepter. Et si Bédier sort et Simon vient, on va dire. Ah, les bons gars, ça quoi, là. Eux sont en train de réaliser maintenant que Draman les a blagués tués. Eux aussi, ils vont revenir. Donc, voilà comment les choses vont se gâter sur Draman en Abidjan. Les choses vont se mélanger sur lui. Camarade Pédafrique, en vérité, ça ne va pas sur Draman. Ça ne va pas. Et donc, j'ai un audio ici que j'ai fait écouter. Parce que hier, j'ai fait la vidéo. Mais la vidéo, quand j'ai fini la vidéo, en même temps, ils ont signalé la vidéo. C'est pourquoi, hier, vous avez vu une vidéo, et après, la vidéo a disparu parce que j'ai supprimé. Parce que les Dramanistanais, ils sont venus m'emmerder. Donc, on va écouter ensemble l'audio, et on va voir de quoi il s'agit, et on va mettre les choses dans le temps. Et on va mettre ce bout à bout pour voir. C'est quelqu'un qui envoie l'audio. Moi, je ne connais pas la personne, mais c'est quelqu'un qui envoie l'audio. On va écouter, camarade. Je rappelle que je n'ai aucun droit d'auteur sur les audios joués dans mon direct. Voilà. Bonjour, ami, c'est Willy Joe qui est, comment dirais-je, à l'appareil. Mais bon, je vous salue. Tout le monde, je souhaite que vous êtes en bonne santé. Et je voulais juste vous informer, parce que c'est très important quand il s'agit de trucs comme ça, on ne cache pas. Bon, voici ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et vraiment, c'est décourageant, mais apprêtez-vous et essayez de vous préparer, parce que le 19 novembre, vers le 19 novembre, la Côte d'Ivoire sera attaquée. Et ce n'est pas quelque chose que je suis en train de vous blaguer, quoi que ce soit. Il y a un groupe d'individus qui se prépare pour attaquer la Côte d'Ivoire. Bon, celui qui m'avait informé, et il m'avait informé qu'il va attaquer la gendarmerie au nord, ils vont attaquer des corps habillés au nord, quelque part là-bas pour les tuer. Ça, je n'ai pas pris ça au sérieux. Ce n'est ni un charlatan, ni un visionnaire, mais quand même, bon, il est au courant de beaucoup de choses. Et il m'a informé. Et moi aussi, j'ai dit, ah, vraiment, cette fois-ci-là, il ne faudrait pas que ce genre de trucs-là se passent. Vraiment, c'est pas bon. Donc, quand il m'a dit de tout faire pour informer, soit disant mes connaissances que je connais en fait, toi, et puis encore ma famille. Donc j'ai fait ça à partir du 19 novembre. Bon, Charlie, je t'ai appelé, je me suis trompé de date. 19 novembre, le 19 novembre. Pas le 29 novembre, c'est vers le 19 novembre. Il y a un groupe d'individus qui vont attaquer la Côte d'Ivoire. Donc à partir du mois de novembre, je sais que vous travaillez, c'est un peu compliqué, mais quand même essayez de prendre des précautions pour ne pas, quoi que ce soit, pour éviter beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est le 19 novembre que la Côte d'Ivoire sera attaquée. Vraiment, prenez ça au sérieux. Hein. Celui qui m'a dit a croisé même photocopie. Il a croisé le général Lassina, il ne sait pas comment son nom est. Dumia. Après, je vais vous envoyer son nom. Il a croisé Henri Conan Bédier. Et ils ont discuté de ça. Et donc, c'est important. C'est un ami à moi, il est en Côte d'Ivoire. Il était en France pendant longtemps, mais il est en Côte d'Ivoire aujourd'hui.
Ça fait maintenant des années qu'il est au pays, mais il va en France et revient, il va en France et revient. Donc il vient de m'informer. Donc prenez ça au sérieux. Ne prenez pas ça comme de l'amusement. C'est moi, Willy Joe, qui vous informe. Je vous aime, la famille, je dis, ça c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Même Ado, même au courant. Parce que Ado a envoyé les agents secrets pour venir croiser mon ami là. Voilà. C'est pas mensonge. Et j'ai informé beaucoup d'hommes que je connais en Côte d'Ivoire. Quand des gens se préparent, qui se sont déjà préparés, c'est pas de l'amusement. Donc ils vont venir attaquer comme ça des individus en Côte d'Ivoire, des autorités, des grands types. Et ils vont vouloir prendre le pouvoir. Et c'est moi qui vous confirme concernant ça. À tout même... Écoutez la partie là. C'est pas moi qui parle là. Écoutez la partie là. Parce que Ado a envoyé les agents secrets pour venir croiser mon ami là. Voilà. C'est pas mensonge. Et j'ai informé beaucoup d'hommes que je connais en Côte d'Ivoire. Quand des gens se préparent, qui se sont déjà préparés, c'est pas de l'amusement. Donc ils vont venir attaquer comme ça des individus en Côte d'Ivoire, des autorités, des grands types. Et ils vont vouloir prendre le pouvoir. Et c'est moi qui vous confirme concernant ça. Ado même connaît, il est au courant, il a envoyé photocopie avec certaines personnes. Ils ont croisé mon ami. Et la semaine passée, mon ami a croisé le commandant de la marine. Donc c'est pas de l'amusement. Voilà. Ce qui est sûr, c'est moi, Willy Joe. Je vous ai dit ça. Prenez des précautions. Voilà. À partir du mois de novembre, ne défilez pas trop au plateau. Et ne défilez pas trop au plateau. Et c'est moi qui vous dis ça. Essayez de vous réfugier quelque part, dans un coin. Voilà. Parce que c'est que là où ça va beaucoup chauffer, Yopougon et Apobo. Voilà. C'est des gens qui vont attaquer la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir, le 43e Bima, ils vont essayer de détruire ça. Ils vont essayer de détruire ça. Parce que... Et là, ils vont essayer de détruire le 43e Bima. Le 43e Bima. Mais aujourd'hui, c'est les forces françaises qui sont impliquées sur tous les fronts. Ok. Draban. Bon, tu ne peux plus payer l'argent des terroristes. Tu ne veux pas aller en Russie. Les Ivoiriens ne veulent plus être volés. Les Américains ne veulent plus te voir. Bon, quitte le pouvoir. T'attends quoi? Tu es mourant. Tu tombes malade aujourd'hui. Tu te réveilles demain. Tu tombes demain. Boum. Et puis, fais pas bête de crise. Il tombe. Boum. Quand il tombe, tu tombes. Boum. André sac de cacao. On vient le réanimer. Il coupe. Boum. Boum. Bon, on a dit que je suis malade. Si ne sont pas les Ivoiriens, ils vont dire je vais mourir. Ils vont arrêter de me soutenir. Il faut que je me réveille. Réveille-moi, je m'en vais. Et puis on lui donne les doses. Quand il vient comme ça, quand il vient comme ça, c'est comme ça. Il est comme ça. Et puis. Et puis, c'est comme ça. Dose, il y a trop dans son corps. Il a peur. Il pleure. Dosez-moi. Mettez-moi encore. Je m'en vais. Hier, j'ai parlé là. Aujourd'hui, il a créé situation pour sortir. À ce moment, alors que ce n'était même pas dans son agenda, il a créé sur os pour sortir. Mais il faut te taper. C'est Papi Do qui ne veut plus de toi. Et tu le sais. Ils vont t'allumer. Les Français là, ils sont, toi tu penses que les Français vont se mourir à cause de toi? Et c'est les intérêts qu'ils sont en train de voir. Hein. C'est les intérêts qui sont en train de protéger. Eh, on m'a dit, oh, puis. Tu vois ce qu'il y a dedans? Ceux-là, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Et tu sais qu'ils sont là. Les mercenaires que tu as envoyés là. Ça, c'est rien, ça. C'est rien, ça. Affrontement 5 minutes. Tu tombes. Les Américains. Les Français n'ont pas de renseignements. Ils n'ont pas de matériel de renseignement de pointe. Ils louent tout à l'OTAN et aux États-Unis. Ils louent tout. Même
poilé avec les bengalos des 5000 soldats français au Mali. Vous avez qui à transporter? La France n'a pas d'avion cargo pour transporter ça. C'est moi, Martin, qui vous dis. D'ailleurs, Martin, voici la vidéo ici. La France n'a rien. Voici la vidéo ici. Est-ce que j'ai ça? Voilà, je pense qu'il y a ça. Elles quitteront la France au bout de deux jours. Écoutez, je n'ai aucun droit sur l'audio joué dans mon direct. Écoutez, hein. Le général Barrera, lui, va attendre 9 jours pour rejoindre le Mali. Car les logisticiens du CPCO sont confrontés à des problèmes d'acheminement des hommes et du matériel. L'armée manque d'avions de transport. À l'hôtel de Brienne, le ministre en personne prend son téléphone pour entrer. L'armée manque d'avions de transport. L'armée française manque d'avions de transport. Écoutons. Il fait le tour des alliés, dont les Américains. On nous proposait de louer des heures de vol. Arrêtez de mettre les gros mots, hein. Arrêtez de mettre les gros mots sur le direct là, c'est pas bon. Arrêtez de mettre les gros mots, pas. Ils vont venir couper ici. On est en train de parler ici là. Alors, Molo Molo, les gens, ils sont trop en retard, hein. Téléphone, disons viril, mais correct, entre Jean-Yves Le Drian et Léon Panetta, le ministre de la Défense américain à l'époque, a permis de débloquer la situation en quelques minutes. Écoutez. Le ministre explique à son homme que les Russes, eux, proposent de prêter gracieusement leurs avions. Et les avions américains nous ont été prêtés. Les Russes proposent de prêter gracieusement l'avion à la France pour transporter les bengalos, les matériels de la France pour aller au Mali. Les Russes donnent gratuitement à la France. Et c'est la Russie que les gens sont diabolisés. On continue, écoutez, hein. Derrière cette anecdote des avions prêtés bon gré mal gré par nos alliés américains, il y a une réalité, la France n'a pas tous les moyens de ses ambitions. Oui, en fait, pour des raisons budgétaires, la France a choisi de ne pas avoir de gros avions de transport. Donc du coup, elle ne peut pas vraiment se projeter seule sur un théâtre de guerre. Et pourtant, il va falloir envoyer beaucoup de monde et de matériel. En fait, entre le début de l'intervention, le 11 janvier, et la fin du mois de février, la France va envoyer sur place environ 6000 personnes et un peu plus de 10 000 tonnes de fret par avion. Sur ce total, en fait, 95% de ce fret va être envoyé dans des avions étrangers. Il y a les avions des alliés, bien sûr, les Canadiens, les Américains qui participent à l'opération, mais surtout, majoritairement, il y a des vols qu'on loue à des compagnies russes et ukrainiennes. Avec quelle facture? En fait, ça va correspondre à peu près plus de 60 millions d'euros. En gros, ça représente 350 000 euros par vol. 350 000 euros par vol que la France a loué aux États-Unis, aux Russes et aux Ukrainiens. Ils n'ont rien. Même leur renseignement au Mali, c'est les États-Unis qui gèrent. C'est les États-Unis qui gèrent leur renseignement au Mali, au Burkina Faso et dans le Sahel. Rien. Donc c'est eux qui sont en Côte d'Ivoire. Ils peuvent faire quoi? Même pour aller avec Gbagbo. Même pour aller avec Gbagbo au pouvoir. Sarkozy a pleuré dans les oreilles de Barack Obama. Pour envoyer les GIs, les agents de la CIA américains, avec des mercenaires de Papi Joe, parce qu'il a une entreprise privée de mercenariat. Oui! C'est ça la réalité. Cela, ils ne valent rien. C'est un peu seulement sur les médias. Bon, bon, bon. 4 jours de combat acharné, la France capitule. 4 jours de combat acharné, elle capitule. C'est moi qui vous dis ça. Vous comprenez? Et donc, c'est à eux, Draman place sa confiance de façon moutonnière. Elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête, Draman. Ta tête là, est-ce que ça va? Quel pouvoir là, on va se comprendre. Après, on peut négocier. Babou, elle est gentille. Hein? Babou est gentille. Peut-être qu'elle n'est pas acceptée. De donner. Il peut donner des mecs quelque part. Tiens! Donc, on dit qu'ils vont attaquer Draman et ses gars.
C'est ça qui fait courir. Et ça, c'est tout ça, ils ont entendu. Ils ont appris. Mais c'est comme ça. Les Isanis, on attire ton attention vers là-bas. Au moment où tu te rends compte à bout, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez vu la stratégie d'Amiba? Il y a un plein coup d'État qui a échoué. Au moment, le président prend confiance, le président gagne confiance, bou, il fata. Direct. C'est ça. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes autour de lui, Traban, qu'il soupçonne et qu'il a mis sur écoute. Mais ces personnes-là, ils discutent la nuit avec des personnes. Mais tu ne sais pas qui. Tu ne sais pas qui va te prendre. Tu ne sais pas qui va te fata. Tu ne sais pas qui va te babou. Mais tu es là. Mais tu es dans le doute perpétuel. Mais est-ce qu'ils vont te laisser? Mais est-ce que quand sur la quand ils ciblent, elles se laissent? Oh Dieu, je remagne. Donc, vous comprenez? On continue avec l'audio. On t'a venu prouver aux gens que de la France n'est rien. Voilà. Ces gens-là sont vraiment bien armés. Voilà. Ils sont bien armés. On ne sait pas qui les a fournis ces entraînements-là, mais vraiment, ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Croyez-moi. C'est Ouidjo qui vous informe. Croyez-moi. Moi, je suis là. Quand j'apprends des trucs, souvent, je n'ai pas l'envie d'informer de certaines personnes parce que d'autres personnes ne vont pas me croire. Voilà. Je ne suis rien au pays, mais je suis ici. J'ai des informations vraiment solides. Vraiment solides. Et je vous informe. Attention, le 19 novembre, ce n'est pas ni de la politique, quoi que ce soit. Il y a des grandes personnes qui vont perdre leur vie comme ça pour rien à partir du mois de novembre. Voilà, donc, essayez de... C'est pas moi qui parle, là. Moi, j'ai reçu, je vous fais écouter. Mais si on fait écouter, c'est parce que c'est proche de la vérité. Eu égard à tout ce qui se passe aujourd'hui, fermeture de frontières, renforcement de sécurité, les forces françaises se déploient. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Draman, on t'a alerté à plusieurs reprises. La France, là, Macron, là, il ne peut rien faire. Il n'est rien. Même à l'Assemblée nationale, il est obligé de faire alliance avec d'autres partis pour pouvoir faire passer les projets. Toi, tu penses que la France va accepter, l'Assemblée nationale française va accepter de rentrer en guerre? Tu es sûr que Macron va avoir un projet de loi pour rentrer en guerre? Et puis, les Français vont voter? Et puis, Marine Le Pen va voter? Et puis, Macron, Mélenchon va voter? La NUPES va voter? Jamais. Ils ne vont jamais voter. Et tant qu'ils ne votent pas, Bragaza, tu ne peux pas. Même Macron aujourd'hui, s'il envoie un projet de loi à l'Assemblée pour dire la France va entrer en guerre contre la Russie, ils vont bloquer. Aux États-Unis, ils vont bloquer. Je vais prendre un exemple. Woodrow Wilson, après 14-18, la guerre de 14-18, la première guerre mondiale, en 1918, quand la guerre a pris fin, Woodrow Wilson s'est levé pour venir à Versailles avec des présidents partout à travers le monde, y compris le Kaiser de l'Allemagne, etc., pour créer ce qu'on appelait la Société des Nations. La Société des Nations. La Société des Nations a été créée. Quand Woodrow Wilson a envoyé les textes, la charte de la Société des Nations aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Le Congrès américain a dit on ne rentre pas. Et les États-Unis n'ont jamais siégé
au sein de la société des nations. Demandez aux historiens. Parce que le Congrès a dit non. Donc, Macron est en train de te mélanger. Il est en train de chercher une position stratégique. Chercher à te couiller. Devant, derrière. En train de murmurer l'ailleurs de Côte d'Ivoire. Pour envoyer ça quelque part. Toi, tu es là, tu regardes tes gros yeux. Tu ne sais pas ce qui se passe. Frère, je vous le dis, il y aura manne. Donc, s'il y a attaque, la France va rentrer dedans. Non, elle ne rentrera pas. Elle va se contenter d'envoyer quelques mercenaires, quelques soldats avec quelques armes. En deux jours, ils vont quitter. Ils vont replier et puis vont prendre autre direction. Fin. Alors, vous comprenez, chers camarades. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec l'audio pour voir. Je vous demande de continuer à partager la vidéo. Continuez à partager au maximum. Faites tourner. Comprendre. C'est pas Niche à l'attaque qui vient de m'informer. Celui-même qui m'a informé, mon ami, il était avec le général de la Côte d'Ivoire, celui-même qui commande tous les hommes de l'armée. Il était avec lui. Lassine Doumia. Il était avec lui. Et Alassane a envoyé les agents secrets pour venir discuter avec lui. Et bon, c'est tout. Celui qui veut, il m'appelle individuellement, on va causer. C'est pas quelque chose qu'on cache. C'est pas de la politique. Voilà. Même si Achille Patrick même, avec le Adnama Bitogo, ont croisé mon ami, c'est pas vous que je vais cacher. Donc essayez de comprendre. Voilà, c'est Ouligio qui vous informe. Donc, à bon entendeur, je suis là, salut. Ce qui est sûr, celui qui est intéressé, il m'appelle. Parce que quand moi je viens vous donner des informations, il y a d'autres personnes qui m'appellent. Et je suis beaucoup, comment dirais-je, j'aime beaucoup ça. Ce qui est sûr, j'ai causé à certaines personnes. Voilà, donc je vais au travail, il est 6h du matin ici. Et chez vous, je pense qu'il est à midi, il est midi là-bas. Donc, c'est Ouligio. Merci beaucoup. Je souhaite que vous êtes tout en bonne santé. Mettez vos enfants à l'abri. Si vous avez des biens, le mois de novembre, vraiment, je vous demande pardon. Si vous avez un petit congé, allez-y au village. Voilà, à partir du 19 novembre, si vous voulez aller au village, allez-y au village le 14 novembre. Et puis bon, essayez de vous déplacer un peu. Mettez vos enfants à l'abri. Je vous demande pardon. Voilà, je vous demande pardon. Voilà, donc c'est ce que je vais vous informer à partir de ça. Merci beaucoup. Le sang est doux. Le sang est doux, frère. Donc, voilà un peu les choses. Voilà. Oui, je ne le connais pas. Hein. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai reçu le message. Et donc, quand je mets les choses bout à bout, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aux États-Unis, Kakabé a dit quoi? Il dit, aujourd'hui, là, dans le pays, on ne sait pas à quel moment ils vont nous attaquer. Oui, Kakabé a dit ça. On ne sait pas à quel moment ils vont nous attaquer. C'est pourquoi, quand Pierre Mbele a commencé, ils n'ont plus le même en prison. C'est parce que la Côte d'Ivoire est menacée. La Côte d'Ivoire est susceptible d'être attaquée. Vous comprenez? Et là, Jeune Afrique veut parler de quoi? De lutte contre le djihadisme. Dans le nord, à Bouna. Quand je parle, les gens disent, mais c'est vrai. J'avais dit ça depuis longtemps. Même le Ghana a été frappé. Même le Ghana a été frappé. Donc, aujourd'hui, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on sera la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, parce que, ouais, parce qu'on n'aime pas la Côte d'Ivoire. Ou bien parce que, voilà. Non, c'est pas parce qu'on n'aime pas la Côte d'Ivoire. Nous, on aime la Côte d'Ivoire. On aime la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, là, c'est notre seul pays. C'est notre chère patrie. Mais, il se trouve que la Côte d'Ivoire, l'homme qui a la tête de la Côte d'Ivoire, est un gâté. Un imminent gâté. Il gâte. Il va dans le pays des gens, il fait lui qui veut déstabiliser tout le monde. Projet de déstabilisation de la Guinée-Conakry. Avec Alpha Condé.
Et puis, Serendel Diallo et le FNDC, ça a échoué. Même projet, il a tout fait pour voir Imam Diko, afin que Imam Diko mobilise pour qui? Pour les partis politiques d'opposition. À Assimi Goïta, bien sûr. Pour que un soulèvement populaire ait lieu à Bamako. Mais Dieu a touché le cœur de Imam Diko. Et je le salue respectueusement depuis sa position. Je lui dis merci, Imam Diko, pour sa grande sagesse. À côté de là-bas, hein, il est en train de tout faire pour mélanger le pays des gens. Le Tchad, c'est lui qui est en train de protéger Déby Kaka. Il est partout, dans toutes les sauces. Vous comprenez? Il est dans toutes les sauces. Mais toi, tu es comment? Toi, tu es comment? Vous comprenez? Toi, tu es comment? Donc, quand c'est comme ça, là, il y a un retour à l'envoyeur. Il y a le retour du bâton. Ouvo Boigny, qui était notre père, père à son âme, que je salue respectueusement, son âme, depuis, sa, depuis l'au-delà. Mais Ouvo Boigny, quand il était encore jeune et qu'il était révolutionnaire, parce qu'il faut le dire, Ouvo Boigny a été révolutionnaire. Il a été panafricaniste que moi-même aujourd'hui. Oui. Mais quand ils ont déchiqueté Biaka Boda, Victor Biaka Boda, et qu'ils ont neutralisé beaucoup de ses camarades de lutte, et que lui-même, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison à Paris. Ouvo Boigny, il est sorti. Quand il est sorti, il s'est plié aux ordres de Babylone. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'attaquer à tout le monde. Hein? Il a commencé à s'attaquer à tout le monde. Et comment il s'appelle? Le Ghana, là, Kwame Nkrumah, est devenu son ennemi juré à Ouvo Boigny. Il a dit de sa propre bouche. Kwame Nkrumah est notre ennemi juré. Sékou Touré est devenu son ennemi. C'est lui-même Ouvo Boigny qui a commandité la chute de Kwame Nkrumah. Samuel Doe, il a tout fait pour que Samuel Doe tombe. Il a tout fait pour que Thomas Sankara soit tué par Blaise. Il a même donné sa nièce à Blaise Compaoré. Hein? Chantal, Chantal Compaoré. Il a pris Chantal, il l'a donné à Blaise. Blaise, lui, il a vu femme ivoirienne, femme baoulée nette, il est devenu, il est aux anges. Mais il dit comment même? Quand il a vu femme baoulée là, elle a remis un peu à faire la nette. Lui, il est devenu fou. Je ne sais même pas les gens, ils sont comment. Vous voulez l'appeler? Déjà, ils ont créé palabre entre Blaise et puis Thomas Sankara. Et donc, quand Pala a commencé entre les deux, où vous appelez Blaise? Blaise est arrivé. Quand Blaise est arrivé en Côte d'Ivoire, il a dit, Chantal, viens. Chantal est arrivé. Il dit, t'as vu ma nièce là, elle est comment? Lui, il rit. Il rit. Il dit, bon, je te la donne. Mais il faut prendre le pouvoir, sinon celle-là, elle se marie au président, elle ne se marie pas au gros vrai. Il est parti en même temps, il est fou. Il faut que Thomas se grand-mère. Et il est parti là, il a abattu Thomas. Ou fait l'ordre de Chantal. Voilà Chantal qui est de ta main maintenant. Ouais, Chantal qui est de ta main maintenant, qui est de toute façon, maintenant. Il est comme ça. Je demande pardon au Burkinabé. Je demande pardon à la famille de mon ami Thomas. Thomas, il est ton ami maintenant. Ton maudia. Thomas, il est ton ami. Tu l'as tué devant tout le monde. Mais il y a un autre ami. Non, papa, me dit ça. Donc, quand Ouvo a fini ça, même, comment il s'appelle, notre grand Patrick Lumumba. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça?
C'est les mêmes Ouvo-Boigny, avec les mêmes Ouma Bongo, qui ont fini avec Lumumba. Bokassa premier, quand il s'est tourné vers la Libye, les mêmes Ouvo-Boigny, les mêmes Bongo, avec la même France, ont pris les gens pour aller les descendre. Mais quand tu as fini de faire tout ça aux enfants des gens, toi tu penses que Dieu est fou? Dieu n'est pas fou. Mais là, on voit lui-même comment il est mort. On va vous expliquer l'histoire. La vraie histoire, on va vous expliquer, chers camarades. Ouvo-Boigny, il avait peur de la France. Quand il était malade là, il avait peur de la France. Il avait un problème de cœur. Ouvo-Boigny, il avait un problème de cœur. Et donc, ses jours étaient comptés. Et donc, on l'envoyait toujours en Suisse pour aller se faire soigner. Ensuite, il venait faire des séjours à Paris et il rentrait. Dès qu'on est ouvert là, on l'appelle PDCI, PDCI. Dans le pays BT. Gikawe est BT, hein, pour ceux qui ne savent pas, là, Gikawe est BT. Gikawe était un bon petit. Après, il venait fraîchement de sortir. Médecin. Professeur en médecine. Donc, Gikawe était toujours aux côtés de Ouvo-Boigny parce qu'il était jeune et il était plein de savoir. Ouvo l'a adopté. Donc, toujours. Il voyageait avec Oufoué pour aller dans les. Pour aller, en tout cas, pour que Oufoué aille se voir ses soins. Où ça? En Suisse. Alors, quand Oufoué arrive là, il est là et puis on fait les soins et il repart. À ce moment, Oufoué, il ramassait tous les kakabés là. Il les ramassait tous. Les Dubsaka, c'était ses petits-enfants. Il les ramassait tous. Il les mettait dans sa bolide. Comment on appelle ça même? Son avion présentiel. C'est bolide, non? Mettez-moi le nom sur vous, chers camarades. Il les mettait dans son avion présentiel et il voyait avec eux. Les Kakabéra. Maintenant, le dernier jour où Ouvo-Boigny est mort, c'était ton dernier voyage en Suisse. Ouvo-Boigny va se soigner. Il a fini de prendre ses soins. Maintenant, il sort de l'hôpital avec les Gikawe, il va aller prendre son avion. Il y a un médecin qui sort de l'hôpital avec un seringue en main. La dernière piqûre qu'on appelle la piqûre de la mort. Vous comprenez? Voilà, Gikawe est un cardiologue, professeur agrégé en cardiologie. Donc, comme vous avez un problème de cœur, donc il était toujours avec vous. C'est le bon petit. C'est pourquoi vous voyez le petit Wolowé du PDCI là. Il coucou là. Mais Bédier, c'est pourquoi il a dit Gikawe. Merci, Gourmand présentiel. Merci, Kwaku, innocent. Merci, Aka. Aïnos, merci. Gourmand présentiel. Comment? Donc, c'est ce qu'on appelle la dernière piqûre de la mort. Et le médecin est sorti avec la piqûre. Il dit. Comme il va prendre l'avion et il est fatigué, il faut qu'on lui injecte ça pour qu'il puisse tenir bon dans l'avion jusqu'au pays. Les gars sont opposés dans un premier temps. Et le médecin a dit, bon, en tout cas, il est dans votre main. S'il prend l'avion, sans cette piqûre, en tout cas, il risque de ne pas arriver en bon état en Côte d'Ivoire, comme le voyage est long. Mais vous avez la responsabilité, s'il arrive quelque chose au président, nous, on décline la responsabilité. Parce qu'on vous a dit qu'on a oublié de faire cette injection, alors qu'il fallait le faire. Maintenant qu'il est sorti, on veut rattraper les choses pour lui faire la dernière injection. Donc, si vous ne voulez pas, bon, c'est votre problème. Mais si vous voulez,
on peut le faire. Mais si, si vous ne si vous opposez et que quelque chose arrive au président, nous, on va mettre dans la presse que vous êtes opposé et que vous êtes des responsables. Frère, voici la giga devant le dilemme. Et pour finir, le vieux a dit, laissez-le, il va faire. Et donc, ils ont fait l'injection. Oufou arrive en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Frère, même quand je suis en train de parler là, si Gikawo est là, il va couler les larmes. Il va couler les larmes. Et donc, son jour est arrivé, bien sûr. Mais, le médecin qui a fait ça là, c'est un médecin, il est d'origine française, qui a été payé par qui? Par la France pour faire ça. Parce que pourquoi? Parce que Oufou avait commencé à se révolter au soir de sa vie. Vous avez sans ignorer que Oufou a acheté tout le canal de Côte d'Ivoire et il a brûlé. Et aujourd'hui, pendant qu'on parle de cacao de Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara est en train de boycotter des assises européennes par rapport au cacao de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui là, il y a problème entre les Européens et Dramane sur le cacao. En parlant d'Oufou Boigny et les Européens là, ça a commencé sur le cacao. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui là, ça ne va pas. C'est ceux qui ont installé Dramane qui vont l'enlever. Et Gbagbo l'avait dit. Il dit, on m'a mis de côté pour que Dramane puisse gérer le pays tranquille pendant ces 10 ans. Il avait 10 ans. Il a fini ses 10 ans. C'est lui-même qui s'est mis dans problème en ajoutant 5 ans dessus encore. Frère! Et donc aujourd'hui, Dramane est dans problème. Donc, pour dire quoi? Bangolora, Oufou Boigny, quand il finit ça là, quand il finit de faire le mal, lui maintenant, il veut protéger ses enfants. Il veut se battre pour ses enfants. Maintenant, lui, on l'allume. Lui, il tombe. Maintenant, il tombe maintenant là. Il a transmis, je dirais, son idéologie panafricaniste. Même si Bédier était, le PDC était parti de droite, mais il a quand même mis là-dedans une idéologie nationaliste à Bédier. Et donc quand Bédier arrive, Bédier crée ce qu'on appelle consommer ivoirien. Consommer ivoirien. Bon, c'est de là l'ivoirité est née. Mais c'était l'ivoirité dans le bon sens. C'est-à-dire, Bédier voulait se battre pour que les états de la Côte soient respectés. Même s'il n'était pas dans une idéologie panafricaniste. Mais quand même, les Ivoiriens, ils voulaient se battre pour eux. Bédier. Il a créé le concept consommer ivoirien. Bédier a chanté ça. Bédier nous a dit consommer ivoirien. D'autres ont mal compris. Ils ont mangé ivoirien. Oh. Koyaga a pris. Voilà. Donc, vous avez compris? Bédier a créé ça. Mais quand Bédier crée ça, Oumar Bongo, il n'est pas encore mort. Il vit. Alors que c'est Oufou et puis Oumar Bongo qui étaient les deux pions. Oufou a refusé. Oumar est resté seul. Comprenez? Donc c'est Oumar Bongo qui gérait. Alors, quand Bédier a créé consommer ivoirien, mais malgré qu'il a créé ça, mais avant, en 1994, quand Oufou meurt, pendant que l'atmosphère politique est bizarre, Dramane Ouattara et 3 Français se sont retrouvés au niveau de la BCAO et ils ont créé quoi? Ils ont créé la dévaluation. Ils ont fait la dévaluation à Accra avec les Sénégalais. Avec Wad. Pendant que l'atmosphère politique est mélangée.
Mais Bédier était obligé, ils ont mis Bédier devant les faits accomplis. Il était obligé d'acter la dévaluation. Mais dans la dévaluation, il a créé consommer ivoirien. Donc ce concept-là allait amorcer la dévaluation. Pourquoi vous voulez ça? Allez amortir autant pour moi la dévaluation. Frère, les Blancs ont appelé Omar Bongo. Dit à Omar Bongo de demander à Bédier de quitter son histoire de dévaluation, de consommer ivoirien. Parce que les poulets morts de Côte d'Ivoire, là, les Français ils n'achètent pas ça beaucoup. Mais le stock qui reste là, si Bédier dit consommer ivoirien, le stock qui reste là, on va voir où? Les poulets pourris, là, on va voir où? Les thons là, le poisson thon, quand on va faire la pêche, le poisson thon, le thon qui est endommagé là, c'est ça qu'on donne aux Ivoiriens. Quand les bateaux, les navires de pêche français vont ratisser là, les thons qui étaient blessés par le filet, qui sont pas de bonne qualité, c'est ça qui reste en Côte d'Ivoire. Mais c'est Bédier du consommé ivoirien, qui va acheter ça? Donc, voilà comment il a été demandé à Bongo de dire à Oufoué Boigny, de dire à Bédier de faire quoi? De laisser tomber son projet de consommer ivoirien. Mais Bédier était un jeune téméraire. Il a reçu le pouvoir de son père. Donc, il est obligé de respecter. Donc, Bédier n'a pas écouté et Bédier est en train de partir en vitesse. Bédier a créé ce qu'on appelle les sauts de riz. Il a revalorisé l'élevage en Côte d'Ivoire. L'assaut des bras dans le nord. L'assaut des mines. Les produits miniers de la Côte d'Ivoire ne sont plus comme ça. Bédier avait tout revalorisé. Les Blancs ont vu que les mailles du filet sont trop petites, mais elles sont devenues grandes. Ils n'arrivent plus à ratisser beaucoup. Bédier est en train de tout mélanger. Alors, ils ont un pion qu'on appelle Draman, qui est tombé sous les charmes de Dominique Nouvian Folorou. Nouvian Folorou que vous voyez là. Folorou là, c'est le nom de son premier mari. Son premier mari là, il était quoi? Il était professeur à l'université de Côte d'Ivoire. Il était l'un des premiers blancs professeurs à l'université de Côte d'Ivoire. Frère, il était l'un des premiers blancs professeurs à l'université de Côte d'Ivoire. Alors, c'est ainsi, étant avec son mari, il y a eu problème. Oufoué Boigny l'avait pris comme sa petite. Elle était la copine d'Oufoué Boigny. Et donc, de là, quand la crise arrive en Côte d'Ivoire, la crise économique arrive, frappe la Côte d'Ivoire. Mais qui a créé cette crise économique? C'est les Blancs qui ont créé la crise. C'est eux qui ont créé la crise. Et donc, quand la crise a été créée, où vous étiez mélangé, il n'avait pas encore fait face à cette crise parce que les Blancs lui facilitaient tout. Il ne faisait pas face à cette crise. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On demande à Oufoué Boigny de prendre Dramane Ouattara comme premier ministre. Et les Blancs disent, si tu le prends comme premier ministre, nous, on va t'aider. Mitterrand. Si tu le prends comme premier ministre, nous, on va t'aider. Et c'est un expert en économie. Il a fait ceci, il a fait cela, il a redressé l'économie du Japon, il a redressé l'économie du Gabon, il est conseiller économique à vie de Omar Bongo, il a un cabinet de consultation économique à Paris, il est ceci, ils ont créé un CV bidon, un CV basé sur rien. C'est un menteur,
un manipulateur, un VI, un vendeur d'illusions. Frère, déjà, ils étaient en train de poignarder la Côte d'Ivoire. Alors, Bédier, alors maintenant, Dama maintenant a été premier ministre. Donc, la France a un pion. Donc, quand Bédier a lutté le pouvoir élu en 1993, après le décès du vieux, mais il est frustré. Malgré, il n'est pas ivoirien, mais il est frustré. Parce que les Blancs lui ont mis leur confiance et sa femme, elle veut être première dame. Donc, il est frustré. Et donc, il replie sur eux maintenant et il veut foncer. Frère, il veut foncer. En 95, ça ne va pas. Bélier passe. Mais ils l'ont comme le pion. Prêt à tout. Prêt à tout mélanger. Il a lui-même dit de sa bouche. Il est au pouvoir moribond. Je le frappe, nous le frapperons au moment opportun et il tombera. En 99, Ouma Bongo commandite le coup avec Dramane Ouattara. Dramane Ouattara prend son gars qui s'appelle Ibrahim Koulibaly, garde du corps de Dramane Ouattara. Ils ont dit, ils ont trouvé comme alibi qu'il y avait 18 milliards de francs CFA qui avaient été donnés au pouvoir de Bédier, au régime de Bédier, pour remettre aux héros de la Centrafrique. Parce que les IB étaient partis dans une mission onusienne ou je ne sais pas quoi, une mission, en tout cas en Centrafrique. Donc, leur argent avait été versé. Alors, pour eux, Bédier avait gardé l'argent. Alors que c'était faux. C'était un alibi. Sinon, on ne peut pas démettre un président de la République de Côte d'Ivoire pour 18 milliards. 18 milliards, c'est quoi? Démettre un président de la République de Côte d'Ivoire. À ce moment-là, Côte d'Ivoire est dans son Côte d'Ivoire. C'est pas Côte d'Ivoire de Ouattara où tout le monde vole, là. Où Crédit va tuer les Ivoiriens, là. C'est pas ça. À ce moment, en 98, je te parle, là. Les Ivoiriens, c'était bon. Même avec coup d'État, le jour où il y a coup d'État, mais les Ivoiriens, c'était maquis. Ben, c'était le 25 janvier. Les gens sont dans Maki, à coup d'État. On ne quitte pas Maki là. C'est, le show est là. Il y a l'argent. Vous comprenez? Ce n'est pas Ivoirien aujourd'hui qui cherche à manger 100 francs. Ivoirien pousse bouette. Avant, Ivoirien ne pousse pas. Vous comprenez? Mais, frère, Ouma programme l'affaire. Et Dramane maintenant, commandite avec IB. IB prend ses éléments. La Libye est tout trouvé. C'est à cause des 18 milliards. Que les héros de la Centrafrique ont démis Bédier. Alors c'est faux. C'est parce que Bédier a créé le concept consommer ivoirien qui a mis à mal les intérêts de la France en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a été démis de ses fonctions. Et Gay Robert qui a été mis à sa place était commandé par Ouma Bongo. Frère, la Côte d'Ivoire était gérée à travers Ouma. C'est Ouma Bongo qui gère la Côte d'Ivoire à travers Jacques Chirac. Il a pris le pouvoir en 95, je pense, Jacques Chirac. 95-2000, c'est lui qui était là. Et après, il a pris encore jusqu'en 2004-2005, là. Et il est parti, Chirac. Frérot, c'est l'histoire qu'on te parle. Alors, quand Bédier tombe, Gueye prend le pouvoir, Gueye avec Chirac, Bongo. Gueye a refusé, Gay a désobéi à Bongo une fois. Mais comme Gbagbo était fin stratège politique, quelqu'un qui est né politicien, politiquement il est né propre, c'est dans ses veines, politique là c'est lui. Gbagbo induit Gay en erreur vis-à-vis de Ouma Bongo. Donc, il perd la confiance d'Ouma Bongo et de Jacques Chirac. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mamadou Coulibaly, Gbagbo avait envoyé Mamadou Coulibaly, Emmanuel Monnet, Afinguessan et je crois deux autres ministres dans le gouvernement d'union de transition qui a été mis en place par Gay Robert en 99-2000.
Seigneur étant mis en place, Malou Koulibaly, il était ministre de l'économie. À ce moment, Chakoura Bali était gouverneur de la BCAO, PDCI. Malou Koulibaly demande à Koulibaly Bali, donne-nous l'argent de la Côte d'Ivoire. On va organiser les élections. Les militaires sont dehors, ça ne nous plaît pas. Kéhi a son père, c'est Christ, ça nous emmerde. Il embête tout le monde, ça c'est pas bon. Il n'a qu'à rentrer en caserne. Chakoura Koulibaly Bali, meurtri par la chute de son régime, par la chute de son parti au pouvoir, dit que les blancs, nous devons aux blancs. Quand on paye l'argent des blancs, on n'a plus assez d'argent. Parce que c'est les conventions que nous avons signées, il faut les respecter. Sinon, les gens sont capables de saisir des biens de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Donc, c'est une honte. La Côte d'Ivoire n'a pas subi cette honte-là. Alors, il faut payer. Quand on finit de payer là, les blancs, on n'a plus d'argent. Malou Koulibaly est fâché. Il rentre ici, il rentre là, il ne gagne pas l'argent pour organiser les élections. Il va voir, il organise une conférence de presse. À ce moment, les jeunes, effervescents, fougueux comme bon connaît. Il dit bon, nous, avec Gbagbo, on va prendre le pouvoir. Si on prend le pouvoir là, le franc CFA sera combattu. Quand il a parlé de franc CFA, sera combattu. Jacques Chirac a entendu ça. Chirac a appelé Bongo. Bongo a appelé Guéhi. Il dit, Chirac dit que le petit qui appelle le franc CFA, là, il faut le renvoyer de ton gouvernement. Guéhi appelle automatiquement sur le coup. Il appelle Malou Koulibaly. Malou Koulibaly arrive et il dit à Malou Koulibaly, frère, tu n'es plus dans mon gouvernement, c'est fini. Malou Koulibaly, il y a quoi? Il dit, ah, les blancs là disent que tu appelles de France CFA, ils sont pas contents. Hein. Donc, mon petit moi, il n'y a pas de problème. Donc, il faut quitter. Donc, Malou Koulibaly est fâché. Il va avec qui? Naturellement, il va avec Gbagbo. Il va expliquer à Gbagbo. Ah, voilà ce qui s'est passé. On m'a dit, je ne suis plus dedans. Gbagbo, il est en bas, il dit, ouais. Il dit, bon, monte ta voiture, on s'en va. Gbagbo a pris sa voiture, allons. Partir à la présence au plateau. Il a trouvé Guéhi. Il dit, bon, Guéhi, mon général. Il dit, oui. Il dit, bon, vraiment, tu m'as donné mon petit là. Vraiment, merci. Mais, bon, l'élection approche. Bon, donne-moi tous mes gars. Tous mes 5 gars, donne-moi. Moi, je vais faire campagne avec eux. Nous, là, 1 plus 1 égale à 1. Les ministres qui étaient donnés là, ils rentrent ensemble, ils sortent ensemble. Il n'y a pas de trahison chez nous. Il dit, donne-moi tous mes gars. On ne veut plus ton argent là. Quand Gbagbo fait ça, il sait que Guéhi ne peut pas renvoyer 5 ministres en même temps. Et pas les moindres, les plus titans. C'est les plus titans de son gouvernement. Bah, ils sont forts. Ils connaissent le métier. Malou Koulibaly est un génie. Malou Koulibaly là, il enseigne Draman. Il enseigne A, Bo, A, Ba, Bo, O, Bo. Et puis Draman répète. Malou Koulibaly, en économie. Alors, Guéhi Robert dit non, vraiment, ça là, c'est un coup dur. Si je fais ça, ah non, le pays là, je ne pourrais plus gérer le pays là. Donc, d'un même, Laurent, les blancs, ils nous emmerdent. Bah, on dit, ah, t'as vu, non, je te dis toujours, les blancs, ça va bien. Il dit, bon, petit, va t'asseoir dans mon bureau. Moi, j'ai. Et Guéhi a donné carburant à Gbagbo. Voilà, là, qui a été l'erreur de Guéhi Robert. Et quand les gens disent, les blancs ont tenu Gbagbo, vous êtes malades, ils sont malades, ils ne connaissent rien. C'est là qui a fait que Chirac a douté de Guéhi. Parce qu'il a dit, renvoie. Guéhi n'a pas renvoyé. C'est une désobéissance à son chef. Ça ne se pardonne pas. C'est une rébellion dans le système franc-africain. Ou ça se négocie, ou on exécute l'ordre. Et d'ailleurs, on exécute l'ordre d'abord avant de négocier ou de faire quoi que ce soit. Mais Guéhi a refusé. Donc, voilà qui était le génie Gbagbo et donc qui a fait que la confiance entre les Françafricains et Guéhi, en tout cas, il y a une tache noire dessus. Vous comprenez? Donc c'est là qu'en 2000,
Gueye a voulu voler les élections. Gbagbo est sorti. Et puis les Français sont restés dans une posture plus ou moins neutre. Parce qu'eux, ils voulaient remettre Draman dans le sucre. Mais ça n'a pas marché. Ça va vous expliquer ça? Bah, il faut qu'on explique aux Ivoiriens pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Gbagbo, que vous voyez là? Gbagbo, que vous voyez? Je n'ai pas dit qu'il n'a pas fait d'erreur. Hein. Mais erreur politique, c'est-à-dire que, compromission qui va aller à l'encontre de son idéologie politique et dans l'intérêt du peuple, jamais. Compromission qui va aller à l'encontre de l'intérêt du peuple, jamais il n'a pas fait ça. La seule erreur qu'il a commise, c'est de désarmer, c'est de organiser les élections sans le désarmement. Voilà, sans le désarmement effectif, et il a organisé les élections. Ça qui a été l'erreur. Sinon, donner à Draman, là, il a gagné les élections, non? Il a gagné les élections, non? Alors, vous comprenez? Il a gagné les élections. Donc, c'est pas parce qu'il a donné truc à Draman Ouattara qui a été une erreur. Non. Il a gagné les élections. Dans la logique, il devrait être installé président. Vous comprenez, camarade? Donc, c'est ça. Donc, quand Gbagbo a pris le pouvoir par la bravoure de Damanan Picasse, parce que Damanan Picasse, vous le voyez, les gens ne voient pas, ils ne connaissent pas où Damanan Picasse vient. Et les Katina, vous ne savez pas. Ben, il faut qu'on vous explique un peu. Damanan Picasse était président de la jeunesse du FPI à l'époque. Et donc, Damanan Picasse a mobilisé la jeunesse dans les rues. Et la jeunesse a fait tomber, le peuple a fait tomber Gueye. Quand Gueye tombe, les mêmes pratiques, la même française se débrouille. Les noirs qui sont parmi eux, revêtis des tenues de soldats français ivoiriens, et ils vont abattre des jeunes, et ils prennent le corps, ils viennent déposer devant le siège de Draman, qui est au plateau, qui est à la rivière là-bas, qui est à Cocody là-bas. Alors que les affaires se passent au plateau, les manifestations se passent au plateau, mais ils ont pris des corps. Et puis, il y a des corps qui ont été retrouvés devant le camp Agban, derrière le camp Agban, avec l'eau sur eux. Des gens qui sont mouillés. Ils sont couchés. On dit, ils ont été tués derrière Agban. Alors que c'est les gens qui, sur le pont, ont été attaqués. C'était sont tombés dans l'eau. Et ces corps ont été repêchés, ramassés. Certains sont déployés, certains devant le QG de Draman. Et d'autres sont déployés derrière le camp Agban. Et ils ont dit que c'est les militaires de Draman qui ont été tués. Alors c'est faux. C'est une manipulation. C'est une manipulation sans nom qui a été effectuée par les mêmes gars. Vous comprenez? Donc déjà, ils avaient commencé à révolter les militaires de Draman, à aller tenter de s'emparer du pouvoir encore. Vous comprenez? Donc, alors que Draman, sa candidature avait été recalée, pas par Gbagbo, mais par qui? Par Gueye Robert, à travers Tiakone, qui était le président du Conseil constitutionnel sous Gueye. Ce n'était pas Gbagbo. La candidature de Gbagbo a été retenue par le même Tiakone qui a arrêté Bédié et qui a arrêté Draman. Gbagbo n'y était pour rien. Gbagbo a gagné son pouvoir. Tu n'es pas candidat et tu veux pouvoir. Comment? Il faut être candidat d'abord avant de prétendre avoir le pouvoir. Donc, les Blancs voulaient tout faire pour mettre Draman après Gueye.
Mais ça a échoué. C'est pourquoi je vous dis, ce jour-là, les militants et les camarades proches de Gbagbo ont dit on a gagné l'impérialisme. Mais on n'a pas gagné. L'impérialisme n'a pas perdu. L'impérialisme avait perdu une bataille. Mais le combat n'était pas perdu. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Ils sont laissés remobiliser. Novembre, décembre, janvier, la nuit du dimanche du 7 au 8 janvier, du 7 au 8 janvier 2001, le même Ibrahim Koulibaly qui a fait coup d'état contre Bédier vient dans une Mercedes noire, vient s'emparer avec ses éléments armés, vient s'emparer de la télévision nationale. Quand ils en parlent, la télévision nationale, la RTI, ils font une déclaration. Frère, quand ils font la déclaration, pour dire qu'ils n'ont plus le pouvoir. Lida Kwasi, Boga Doudou, Cabro Désiré, mobilise. On met Gbagbo en lieu sûr à maman. Et ils ont commencé à chicoter. Ils ont commencé à chicoter. Frère, quand ils ont commencé à chicoter là, Ibrahim Koulibaly recule. Il recule et il prend sa Mercedes noire, direction Boaké. Et Lida Kwasi appelle l'armée française pour dire au nom de la coopération militaire qui existe entre la France et la Côte d'Ivoire, nous vous demandons de nous fournir une aide aérienne parce que nous avons été attaqués et l'ennemi a été repéré dans une Mercedes noire immatriculée telle en direction de Boaké. Frère, l'hélicoptère français se lève et prend la direction. Et il confirme à la base que j'ai la Mercedes noire en vue. Au moment où il va lui faire feu, il répète pour dire que la Mercedes a disparu. En espace de 30 secondes, la Mercedes est en vue. La Mercedes a disparu. Savez-vous du pas quelque chose, chers camarades maliens? Est-ce que les Maliens, savez-vous du pas quelque chose? Au Mali, dans le désert, la France arrive à espionner par drone des Russes en train d'enfouir des cadavres dans le sol. Et jusqu'à ils comptent le nombre de cadavres, ils font tout. Mais la France observe des pick-up djihadistes qui se suivent et en plein désert, les pick-up disparaissent. Ça ne vous dit pas quelque chose? Vous comprenez? Voilà, j'ai dit Agban, c'est pas Agban, c'est la Maca. On tape moi, les corps ont été déployés derrière la Maca. On tape moi. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, la France dit qu'elle ne voit plus la Mercedes noire. Alors que c'est Ibe qui était dedans, avec ses gars. Et le même Ibe qui avait été envoyé par la France pour enlever Bédier, les mêmes Ibe ont été envoyés par la France pour enlever Gbagbo. Parce qu'ils ont leur draman, leur produit, tout faire. Il faut l'installer, il est bon pour nous. Avec lui, la France devient puissance. Frère! Les Mangous se sont dit ce jour, les leaders Kwasi se sont dit ce jour, on a gagné. Mais rien n'était encore gagné. Déjà ce jour-là,
pendant ce temps, qu'est-ce que l'impérialiste fait? L'impérialiste essaie de corrompre qui a fini de sang. Afi, depuis la base, Afi avait été corrompu. Lina Kouassi envoie un projet de loi. Envoie une idée. Un texte de projet de loi. Arrivé au Conseil des ministres. Normalement, ça doit arriver au Conseil des ministres. Quand ça arrive au Conseil des ministres, après, le Conseil des ministres envoie à l'Assemblée pour débattre dessus, essayer d'amender et puis éventuellement voter oui ou non. Frère, Lina Kouassi a fait le texte pour qu'on augmente le budget militaire après la tentative de coup d'État. Avec qui était Premier ministre a opposé un refus. Afi a opposé un refus. Parce qu'il ne faut pas que l'armée de Côte d'Ivoire soit équipée. Comprenez? Donc, ce n'est pas passé. Mais Lina, il était mélangé. Mais Gbagbo avait trop confiance en Afi. Et il l'aimait beaucoup. Et puis, avec Omarou Koulibaly, il les aimait beaucoup. Vous comprenez? Donc, quand c'était ainsi, certains ont dit on a gagné, mais l'impérialiste n'a pas son dernier mot. Ils sont revenus à la charge en 2002. Bouh! Quand ils font bouh! Quand Gbagbo lance l'opération Dignité en 2004, l'armée française rentre en bas avec un pilote biélorusse pour aller attaquer les camps de Boaké, de Mans, etc. Les camps français de Boaké, de Mans, etc. Faisant 9 morts soldats français et des trentaines de blessés. Automatiquement, Soro Guillaume est reçu en France par l'Élysée. Direct. Frère, c'est lui qui vous parle. Et donc, étant reçu, toutes les stratégies lui ont été données. Et il doit les mettre en pratique. Coûte que coûte, il faut que Draman Ouattara gagne. Et donc, étant attaqué, les bases militaires étant attaquées, la France prend une résolution d'urgence aux Nations Unies pour dire que les Français qui sont allés avec une opération de force d'interposition qu'on appelle la force Licorne, dans le cadre d'une force d'un maintien de paix et attaqué par Gbagbo. Alors que c'est avec l'approbation du Conseil de sécurité que l'opération Licorne, l'opération Licorne est partie, en tout cas en Côte d'Ivoire. Alors, il faut donner l'ordre, il faut donner mandat à l'armée française de détruire les aéronefs de Gbagbo et d'imposer un embargo sur Gbagbo. Embargo était imposé sur Gbagbo, il ne peut plus s'armer. C'est là maintenant, Philippe Mangou, pouh, ce maudit là. Lina Kouassi est rongé par le remords. Il est rongé, il a mal. Parce que, déjà en 2001, il a tenté de faire rentrer un projet de loi qui va lui permettre d'équiper aisément la Côte d'Ivoire. Et là, même si les aéronefs qui ont été bombardés à Boaké avaient été bombardés, mais quand même, il aurait aussi des réserves. Comme tout avait été déjà bombardé, alors la Côte d'Ivoire n'avait plus rien. On ne pouvait plus importer d'armes. Seul par marché, sur marché noir, dans le marché noir. Gbagbo n'aime pas ça, il aime la légalité. Vous comprenez? Donc, les choses étant ainsi, embargo sur Gbagbo, il ne pouvait que prendre la voie de la négociation.
Ouaga, Makoussi, Accra, Pretoria, etc., etc., etc. Jusqu'à l'aboutissement d'un accord où Mangou est devenu premier ministre. Non, pas Mangou. Ici, là, mais c'est ce que nous avons dans la bouche même. Bani, chaque fois, Bani est devenu premier ministre. Ensuite, Sorogium devient premier ministre. Babou avait réussi quand même à calmer les choses. Mais Babylon n'a pas dit son dernier mot. À Pretoria, le président, je pense, Thabo Mbeki, demande à Gbagbo, après que Afinguessan soit passé par là-bas, il demande à Gbagbo d'envoyer quelqu'un de sérieux. Quelqu'un de confiance. Pas Afinguessan. Ce que je vous dis là, c'est la pure réalité. C'est pourquoi vous voyez Afinguessan. Il tourne en rond. Il peut aller vers Bédier pour aller demander une alliance avec Bédier. Mais il allait pleurnicher encore avant-hier à travers le petit frère d'Abraham Sangaré. Sangaré qui est avec lui là, son vice-président là. Il a demandé pardon au RADB pour entrer. Parce que Gbagbo ne veut plus entendre parler de lui. Alors Gbagbo envoie Lida. Lida arrive. Thabo Mbeki dit à Lida, va dire à Gbagbo que son gars là, il n'a qu'à faire attention à lui. Afi. Donc, Lida vient, il explique. Bah, déjà, Afi était une gangrène. Un pion de la France au sein du gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Un pion clé. Vous comprenez? Alors, l'impérialisme continue. Mbeki dit à Gbagbo, ton gars là, le peuple te soutient. Draman là, il ne peut pas gagner l'élection. Il faut l'accepter. Gbagbo a pris à titre 48, à titre exceptionnel, pour faire entorse à la Constitution. Parce que la question est claire. Mais l'article donne des prérogatives supplémentaires au président de la République. Gbagbo use de ses prérogatives, de son pouvoir pour prendre ce décret, pour faire des dramas un candidat à titre exceptionnel à Makoussi. Ceci étant, Dran Ouattara peut être candidat. Et donc, maintenant, l'impérialisme passe au plan B. Mais ils sont tout le temps dans le plan B de l'impérialisme. Faire de Dran Ouattara un président coûte que coûte. A un problème. Raconte un problème. Sorogium a été emballé par Gbagbo. Ça, c'est une certitude. Sorogium avait été emballé par Gbagbo. Même les Ouattara, ils avaient été pris par Gbagbo. Vous comprenez? Parce que quoi? Gbagbo a parlé à Soro. Il a expliqué à Soro. Ils vont te tuer. Quand ils vont finir de t'utiliser, ils vont te tuer. Ou, si tu as trop la chance, tu seras contraint à l'exil. Ils ne vont jamais te laisser. Tant que tu as un grain d'amour pour la Côte d'Ivoire, ils ne te laisseront pas. Parce que c'est moi qui t'ai formé. Je sais ce que tu vaux. Mais eux là, ils n'ont pas besoin de ce que tu vaux. Ils ont besoin de ce que tu peux faire pour eux. Pense à ton pays. Pense à ta nation. Frère, Gbagbo arrive à prendre quand même Soro à lui. Il offre une maison de 4 milliards à Soro. Il doit l'avoir tranquille. Camarades d'Afrique,
Alors, Soro Guillaume va à Boaké. Son avion est tout attaqué direct. Par qui? Par Dramane Ouattara. Et la France. Le son est clair, net. Parce que on avait. Parce que Afi, le même Afi, avait rapporté que Soro s'était allié à Babo. Vous comprenez? Et les partisans du RDR avec les Bitogo ont joué bon de l'éliminer. Les Amadou Koulibaly, les Amadou Soumaoro ont joué bon d'éliminer Soro. Voilà comment Soro a été attaqué à Boaké. Et beaucoup de ces gars sont morts. Mais, comment il s'appelle? Soto Soul a été blessé. Mais Soro n'est pas mort, grâce à Dieu. Et Soro revient à Bidan. Et il comprend que quelqu'un a rapporté quelque chose. Mais il est déjà engagé à Babou. Comprenez? Donc, voilà le problème de l'impérialisme. Maintenant, l'impérialisme, maintenant, contacte Soro directement. Et il met quatre sur table avec Soro. Il dit à Soro, Dramane Ouattara sera président à titre exceptionnel pour 5 ans. C'est pourquoi, dans le campagne de Dramane, il disait, donnez-moi 5 ans seulement. Il dit, j'ai bien 5 ans seulement. Parce qu'il fallait que Soro Guillaume se rappelle que après 5 ans, c'est lui qui vient. Alors qu'à Paris, quand on écrit les textes, ou on écrit les textes du RADP en 2005, Bédier est le second président après Dramane. Et après Dramane, Mabri Toakeuse vient. Après Mabri, Anaki Kobelan. Frère, pendant ce temps, ils vont faire les mêmes propositions à qui? À Soro Guillaume. Soro, lui, il est confiant parce que il a une armée. Et quand même, il contrôle le Nord. Un peu à l'époque. Voilà, maintenant, Soro est en confiance. Bédi aussi en confiance. Tout le monde en confiance. Mais il faut que Dramane soit président. Brouk, brouk, brouk. Élection est finie. Soro Guillaume, il va voir Gbagbo. Parle avec Gbagbo. Gbagbo n'aime pas les exigences. Il n'aime pas qu'on lui impose. Il n'aime pas qu'on lui impose quelque chose. C'est comme ça, monsieur aussi. Babou, là, tu discutes avec lui. Si tu le convaincs, là, ça passe. Ou bien, on vote. Si tu gagnes, c'est bon. Sinon, peut-être que tu vas lui imposer quelque chose, c'est blanc. Vous comprenez? Donc, Soro Guillaume a voulu faire quelque chose comme ce que Afi a fait, là, ici, là. Donc, Babou dit non. Malgré le feu, you know. Donc Soro est parti à l'hôtel du golf. Mais Ouattara sait ce qu'il y a. Ils sont prêts. Il faut que Ouattara gagne d'abord. Blou, 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 blou. Les comptes sont finis, tout ça. Les dépouilles, les dépouillements, tout ça. On attend le résultat des élections. La CEI a une semaine pour donner. Les résultats ne sont pas proclamés. Les irrégularités sont constatées sur les PV des bureaux de vote. Il y a les bureaux de vote où il y a 100 000 personnes inscrites sur l'affiche, la liste électorale. Mais il y a 200 000 personnes qui ont voté là-bas. Voici ce genre de régularité qui a été relevé. Et donc, Youssou Bakayoko, il regarde, il ne comprend pas.
Il tente d'invalider, déjà, dans un premier temps, les élections. Soit il invalide, soit il annule des bulletins, des procès verbaux, des régions où les irrégularités ont été constatées. Ou en tout cas, il fait les choses. Donc, Youssou Bakou est en train de faire ce travail. À sa grande surprise, l'ambassadeur des États-Unis, envoyé par Barack Obama, et l'ambassadeur de la France, envoyé par qui? Par Sarkozy, vont kidnapper Manu Militari. Youssou Bakayoko l'a envoyé à l'hôtel du golf. Arme sur la tempe, on lui dit, dis que Ouattara a gagné, sinon tu meurs. Tu meurs, toute ta famille est décimée direct. On m'a dit, c'est les manifestants qui sont allés prendre ta famille en hôtel. Et donc, M. Bakayoko, comme déjà lui, c'est qu'il y a un dernier recours qui n'est pas Yaoundé, qui peut invalider, lui, il s'est tiré d'affaire, il dit, bon, Ouattara a gagné. Pour Yaoundé, qui est le dernier recours, qui dit, c'est moi, c'est lui qui a gagné, c'est lui qui n'a pas gagné. Paul Yaoundé regarde les résultats et il constate les irrégularités. Il annule ça. Il annule ça. Il annule ça. Et il dit, bon, Gbagbo a gagné. Victoire de Gbagbo. Victoire de Gbagbo. Automatiquement, Choi de l'ONU sort pour dire que c'est Ouattara qui a gagné. Parce qu'on lui a dit il faut que Ouattara gagne. Donc, ils suivent à la lettre les recommandations de la France-Afrique, de l'impérialisme. Frère, voici le face-à-face est déclenché. L'impérialisme ne s'avoue pas vaincu. Gbagbo est investi. Ouattara fait son investiture. Ça ne va pas. Les rebelles ont... Ouattara signe un décret pour demander... Il reconnaît dans l'armée de Côte d'Ivoire les Dozo et les Kodougou, les rebelles. Sans loi ni foi. Des gens qui ne connaissent rien dans les règles de la guerre. Des gens qui ne savent même pas que tu es une femme, ou un enfant, ou un homme sans armes, dans une guerre, est un crime de guerre. Un crime contre l'humanité. Donc, Ouattara crée, il prend le décret pour reconnaître ces Dozo, ces Kodougou, ces laveurs de médicaments qui puent. Dozo! Il y a Dozo, il pue mal! Il y a des dozos qui font 10 jours, je n'en ai pas. Prends des gens comme ça. Pour aller mettre, tuer les gens, les populations, les massacrer. Pour le pouvoir. Il met embargo sur les médicaments de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont dans les blocs opératoires. Et il y a un qui meurt. Accident de moto. Il n'y a pas d'antidouleur. Tu es automatiquement amputé. Césarienne, on t'accompagne à l'aéroport. On t'accompagne au cimetière. Tout est mélangé. Les banques sont fermées. Il n'y a pas à manger. Tout est mélangé dans Côte d'Ivoire. À cause de quoi? Pouvoir. Un démon tout fait, un homme sans cœur, un homme sans raison, un homme dépossédé de la nature humaine, un homme chosifié, bestialisé à la guise de Babylone, programmé pour faire le mal. Programme pour répandre le mal dans le monde.
Draman, il fait sérieux, il fait vivre. C'est que le pire des choses, c'est que la pire des souffrances aux Ivoiriens. Pourquoi? Parce que Sarkozy, il est court. Ouais, sa pine. Et son pied comme ça. Déjà, il n'est pas bon. Déjà, Sarkozy n'est pas bon. Mais moi, j'ai fouillé dans l'histoire de Sarkozy. Ça, son papa ne l'aimait pas. Ben, son papa dit qu'il est bizarre. C'est un enfant à part. Son papa même l'aimait. Et Sarkozy a pris la femme de son ami. Et cette femme l'a largué le jour même où il est devenu président. Un homme comme ça. Un homme comme ça. Il me pressionne tout le monde entier. Il faut que papa tombe ou attrape le pouvoir. Ou attrape aussi, hein, sa bouche tendue. Il est là, Sarkozy. Oui, monsieur. Oui. Oh, monsieur, Ouattara, tu m'as pas dit là-bas, ouais. Oui, monsieur, il a compris. Il est comme ça. André Moumi. Et donc, Ouattara fait subir les pires des choses, des atrocités aux Ivoiriens. Et il prend le pouvoir. Il prend le pouvoir. Gbagbo est envoyé à Korogo. Maltraité. Maltraité, empoisonné, fait tout. Et là-bas, il envoie la CPI. Malheur. Erreur fatale. Oui. Gbagbo envoie la CPI. Il dit, voici l'erreur que vous ne devriez pas faire. Frère, il a droit aux visites. Voici où les choses vont se compliquer sur l'impérialisme. Gbagbo reçoit une visite un jour. Une visite qui lui dit, il y a telle chose qui doit se passer dans telle chose par rapport à telle chose. Tu dis quoi? Il dit, bon, dans telle chose, mon peuple, il gagne quoi? Ton peuple, il gagne la dignité, la souveraineté, l'indépendance, et tu deviens le héros de l'Afrique. Il dit, héros de l'Afrique là, c'est Dieu qui va faire ça. Mais mon peuple là, je suis d'accord. Frère! On dit, tu sais quoi? Il dit, voilà. Il dit, bon, les preuves sont là. Tu donnes ton accord? Oui. Bon, je m'en vais. 2014, le pape François Ier reçoit une visite. Frère! D'un éminent homme politique, une puissance de ce puissance arrive là-bas et décline les preuves contre toute la chaîne de commandement du gouvernement mondial. Il coule le même jour et le gouvernement mondial commence à se rétracter. On dit à Draman, finis tes 5 ans, dégage. Draman ne veut pas, il négocie. Sarkozy accepte. François Hollande approuve. Il fait 5 ans de plus. Après 5 ans de plus, on dit tu ne peux plus rien faire. Dégage. Donne à Soro ou donne à Bédier. Il ne veut pas. On dit bon, voilà, tu as tout mélangé. Et Gbagbo sort de prison. Sans s'être défendu. Il est le seul. Il est le seul accusé qui va sur le banc des accusés, qui est sur la base des accusations et acquitté. Le seul. On dit, tu as volé le téléphone. Il dit, je n'ai pas volé. On dit, bon, lui, là, il t'a vu. Il va venir témoigner. Voici les preuves qui démontrent que c'est toi qui as volé. Les preuves arrivent. L'autre arrive. On décline les preuves. On regarde les preuves. Eux-mêmes, ils disent, bon, les preuves, là, mettez-les de côté. On envoie les témoins. Les témoins, là, on dit, bon, mettez-les de côté. Ils n'ont même pas encore parlé. Et on dit, bon, mon frère, rentre à la maison, c'est pas toi. Il dit, mais laissez-moi y parler. Ceux qui, moi, c'est pas moi. Mais pour ceux qui m'accusent là,
Il y a un dedans qui a volé. Il a dit, on dit non, non, pardon, il ne faut pas parler ici. Pardon. On sait. Bah. Et Babou a été libéré comme ça. Mais ce que Babou n'a pas dit là-bas, là. Babou sait toujours. La preuve que Babou n'a pas décliné là-bas, là. Il les a toujours. Donc voilà le retour du bâton sur l'impérialisme. Ils ne sont pas avoués vaincus depuis 2000. Non, je dirais depuis la mort d'Oufou Boigny, 93. Jusqu'à ils ont pris le pouvoir en 2010. Vous comprenez? Ça fait 13 ans. Vous comprenez? De 80, non, 93, 2000. Non, ça fait 17 ans. Ils ont attendu pendant 17 ans. Nous, on a attendu 10 ans. Maintenant, on attend encore un peu, un peu. Mais où on est arrivé là? À coup sûr, on va gagner. Ça, c'est-à-dire que Dieu lui-même, il a déjà fini le travail. À coup sûr, on va gagner. Frère, voilà un peu la réalité dans cette affaire. Voilà la réalité dans cette affaire. Et donc aujourd'hui, Draman, il a acculé par l'impérialisme pour ne pas que ce que Babo sait soit connu de tous. Parce que si c'est connu de tous, vous avez vu, Papi Joe, son enfant, a fait des conneries quand il était vice-président. Aujourd'hui, ça le rattrape et ça lui crée des problèmes aux élections de mi-mandat. Des conneries que son fils a faites depuis il était vice-président de Barack Obama. Aujourd'hui, ça le rattrape. Imaginez. Et Barack Obama a oublié de revenir à sa rescousse afin qu'il maintienne la majorité à la Chambre des représentants, etc. Frère, imagine un instant, Babo apporte les preuves qu'il a. Et il met à la disposition. Avec les conférences de presse. Avec les déclarations. Avec les interviews. Preuve à la main. Et la Russie reprend. Et la Russie prend ça. Et elle demande une une session des nations, aux Nations Unies. Une session extraordinaire. Du Conseil de sécurité des Nations Unies. Imaginez un instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il tombe. Il tombe direct. Ils sont morts. Les démocrates sont morts. Donc ce sont eux-là qui sont derrière Draman. Qui veut le tomber. Babou l'a dit il y a longtemps. Il dit, c'est son troisième mandat qui a mis dans le problème. Sinon, normalement, avant que Babou ne vienne là. Excusez-moi. Hein. Sinon, normalement, avant que Babo ne revienne de prison, il devrait déjà changer la constitution, remettre la constitution à sa place, c'est que Babo ne peut plus être candidat. Là, si Babo ne pouvait plus être candidat, même si Babo créait son parti, bon, puisque lui ne pouvait plus être candidat, peut-être qu'on allait mener une lutte, mais c'était peut-être peine perdue. Vous comprenez? Donc, ça allait permettre à l'impérialisme de gagner en temps. Et mettre un petit pion à leur solde. Mais malheur pour Draman, ambition pouvoiriste, assoiffé de pouvoir, frappé par la boulimie du pouvoir, malade du pouvoir, c'est-à-dire que excédé par Monsieur le Président, Excellence, Excellence, il arrive 23e mandat. Donc c'est pas bon. Donc il va tomber. Mais, il ne faut pas croire. Les États-Unis, ils ont l'air moraux. Hein. Ça aussi, c'est un combat. Nous, on va voir. Si les États-Unis vont venir jouer démocratie, ben nous, on joue démocratie. Mais démocratie, on gagne. Et nous, on est démocrates. Et si on gagne démocratie, nous, on ouvre la Côte d'Ivoire. On ouvre la Côte d'Ivoire. Pour tous les partenaires. La diversification totale du partenariat.
les appels d'offres. Vous comprenez? Et nous, on fait ça. Si les États-Unis viennent et qu'ils veulent travailler avec nous, qu'ils nous proposent, bon, on travaille. Si la Russie vient et qu'elle veut travailler avec nous, on travaille. Si la France elle-même se remet en question et qu'elle veut travailler avec nous dans une approche d'égal à égal, on travaille. Mais nous, 43 Bima ne peut plus rester. C'est fini. Fin, point à la ligne. 43 Bima ne peut plus rester dans notre pays. Ça, c'est fini, ça. À moins qu'il y ait une force ivoirienne en France, avec une base militaire ivoirienne en France, sinon aucune base militaire d'aucun pays étranger, quel que ce soit, de quelque degré de puissance qu'il soit, ne peut plus installer une base militaire dans notre pays. Fini. Ça, c'est fini, ça. Ça, ça bafoue notre dignité, notre souveraineté. Et ça, nous disons non. Ça ne marchera pas. On va s'opposer à ça. Coûte que coûte, vaille que vaille. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades, ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les frontières ivoiriennes sont fermées parce qu'une menace d'attaque sur Draman, lui-même qui est visé, il sera frappé. Il sera frappé. Et nous, notre prière, c'est qu'il tombe sans que les Ivoiriens soient touchés. C'est qu'il y ait de victimes collatérales. C'est ce qu'on souhaite. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que Bobo ne souhaite que Draman ne tombe pas? Ça, je souhaite qu'il tombe. Je le dis à visage découvert, à tout le monde. Je souhaite qu'il tombe. Ça, c'est la vérité. Donc, et aussi, nous souhaitons que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. C'est notre pays chéri. Et voilà. Donc, voilà un peu. Les frontières sont fermées. Draman, sa santé n'est pas stable. Le camarade, notre camarade, monsieur le ministre, Monsieur le ministre Dussault Rodel a été convoqué demain. J.I. Cyril a été convoqué aujourd'hui, mais ça va, il est revenu, il est à la maison, il est tranquille, ça va. Et monsieur le président, monsieur le ministre va lui répondre demain et on va voir de quoi il s'agit. Et nous, PPACI, on est rentré effectivement à la CEI centrale parce que Bagou a tapé du poing sur la table. Et aussi, Bagou a tout fait pour que, en réalité, l'ordonnance bidon qui consiste à voler encore dans la poche des Ivoiriens soit annulée. Et prochainement, vous allez voir, ça sera effectivement annulé. Donc aujourd'hui, les forces françaises, accompagnées des forces ivoiriennes, sont postées dans le nord de la Côte d'Ivoire, notamment à la frontière avec le Mali, le Burkina, la Guinée-Conakry, le Libéria, etc. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire dans ce direct. Donc je vais voir si éventuellement je peux revenir pour un direct. Même là, il fait tard. Peut-être demain. Voilà. Peut-être demain. Sur ce, Babo ou rien. Très prochainement, Babo président de la République Côte d'Ivoire, sûr et certain. Goïta ou rien, Goïta ou carré, soutien à Doumbouya, soutien à Faustin Touadéra, soutien à André Rajuna, soutien à tous les progressistes de l'Afrique. On est ensemble. Merci les gars. Merci. Merci. Et mon frère, Amamba, toi, ton nom est bizarre. Vraiment, mon frère, merci beaucoup. Il faut m'écrire ton nom après. Il faut que je te salue, mon frère. Tiens, tu es un combattant. Merci à toi. Merci. Merci, on est ensemble. Ciao.